Bon, normalement, moi pas en position pompier encore. Moi toujours j'ai l'esprit pompier. Moi j'ai l'esprit pompier, mais moi son individu, moi son simple citoyen qui a vécu situation hein, avec un pile préoccupation, avec un pile souffrance, avec un pile sens d'engagement, mais qui pas gagné aucune autorité d'action que ça n'a fait là parler by opinion que n'a fait depuis longtemps. Et que nous estimons qu'il gagne très peu d'effet. Mais il y a même trois temps d'eau, non? Mais n'en parlez pas, on va tellement faire ça tout. Eh bien, on a parlé depuis longtemps, il y a plus de 40 ans, m'a parlé. Faut me faire bilan, ça m'a dit, faut me faire bilan, ça m'a dit, qui impact il gagne sous communauté, parce que l'on fait un bagage, tant que vous-même qui fait émission en tout temps, j'ai l'impression que de temps en temps, on fait un bilan pour regarder est-ce que vous êtes en dos, est-ce que bon, plus ou moins accepter ça, abdi, etc. Il y a des fois, il faut obliger pour un temps de recul, pour évaluer la situation. Hein, parce que je ne vais pas oublier que nous sommes une société qui a évolué. Nous devons avoir un discours qui est plus adapté à un moment par rapport à une génération déterminée. Puis, bah, elle a changé sous là. Moi-même, je suis très attentif à ce qui a passé dans la société. Hein. Et ça qui a passé, il y a une déconnexion entre pays à pays. Nous pas un seul pays où gagne une génération qui gon janté ouais société a janté ouais la vie et puis gon l'autre génération qui a changé sous nous là au contraire ça pas gagne longtemps moi parle à plusieurs moun bon qui a plusieurs t'as capable de sensibilité dans le pays a particulièrement sensibilité populaire parce que m'a regardé crise là nan crise là qui s'allie. Il y a des gens qui disent son crise politique, oui, son crise fondamentalement politique, mais racine crise politique là, c'est société. Les gens qui ont fait politique, et à travers l'histoire, c'est pas aujourd'hui, quelle que soit la position bon, yo nan politique là, ou elle a été jouée à un moment déterminé, c'est société a produit qui fait si nous pas virer, je regarde ça qui a passé dans la société. Comment société a évolué? Comment tout le monde a joué? Qui sort de valeur qu'a cultivé, qui j'en famille a fonctionné, eh bien, n'a pas une crise pire. Pas bien longtemps, m'a parlé avec des monde qui a dit que des jouets, si mon affaire, c'est jouets, moi, c'est chef gang, c'est jouets kidnapping, c'est jouets obscène sexualité, qui j'en certains parents dans le milieu défavorisé, les petits mondiaux. C'est si pas bon, c'est champan. C'est pas qu'on est malfaiteur, c'est-à-dire ça montrer où photographie ça cap passer dans la société et à qui l'esprit si mon y a grandi et tout ça montrer nous une bonne société cap évoluer très mal ça n'a pas vécu dans la génération qu'on est capable de vivre pire mal demain si nous pas prendre la racine côté pour nous prendre et au niveau des jeunes au niveau des enfants d'abord. Ou te prezident KID, Konvansyon Unite Demokratik, jodi a KID reprezenté an dan gouvernement, an pos important, an ministre de la défense, an jwet nan sa, an tou ka, tata doye gen jwet, e eske sa ki fe ke ou fon ti retre ou pa tro tan do, paske parol ou ta kapote a la, li forseman ou parol et critique quand au gouvernement qui n'a pas de résultat. Bon, premièrement, alors, pour me préciser, madame président, le titre de chef du titre, c'est secrétaire général. Bon, quand même, secrétaire général, là, c'était même qui est plus gros autoritaire. Mais Mais t'as pensé qui? depuis 2013, ouais, combien de temps ça fait? Depuis 2013, m'pas chef qui, depuis 2013, là, ça fait beaucoup d'années, ça fait au moins 11 ans. Bon, maintenant, selon mes informations, m'pas quoi formellement qui de représenter dans le gouvernement. Parce qu'il faut faire très attention entre un monde qui n'a qui qui c'est qui était dirigeant KID ou bien qui sont personnalités dans KID, qui n'ont fonction avec le parti formellement représenté dans le gouvernement. Parce que moi-même, moi fais plusieurs expériences côté KID qu'on représentait dans le gouvernement. On fait des expériences côté des partis. Par exemple, il y avait un accord avec le président Préval qui était représenté formellement. Parce que très souvent, on fait des amalgames entre personnalités qui sont issues d'un parti
et le parti représenté formellement. Parce que quand le parti est représenté formellement, le parti a le pouvoir de retirer son représentant au sein du gouvernement, ce qui a été déjà fait quand j'étais secrétaire général. Cette même personne qui est aujourd'hui ministre de la Défense était représenté qui au niveau du gouvernement d'Aristide en 1995, et il y avait un problème, et puis le KID demandait, bon, là ça c'était pas KID, là ça c'était la convergence démocratique, demandait de sortir, il était obligé de sortir. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Ok, mais rappelez-vous, c'est pas responsable KID. Josia qui représentait, en tout cas qui est ministre des Forces dans le gouvernement. Ça me capable de dire que je n'ai pas gagné aucune autorité pour me parler de KID. Parce que c'est seulement un ancien dirigeant. Alors, je ne suis pas capable d'approfondir la discussion sur la question KID. Je parle à voilà, je parle en tant qu'Evans Paul. J'ai toujours été membre KID parce que je n'ai pas quitté parti, je n'ai pas changé parti. Même pas agir, je n'ai pas porte-parole, ni je n'ai pas gagné droit à parler. Tout comme nous depuis 2013. Moi, pas dirigeant qui. Mais ça veut dire que, même l'homme ta dirigeant qui, ça veut dire que, moi, son monde qui pral et endosser ça qui fait qui pas bon. Parce que nous, dans un pays, nous, c'est citoyen pays a déjà. Moi, même pas, je me fais propagande, même pour tête, mais même dans le propre gouvernement, tu es là-dedans, si on bagaille qui pas bon, prends distance avec lui. Alors, c'est pas en question. Dans ce pays a est là, nous pas qu'à parler de parti, de pas parti, parce que il est clair, tout le monde plate à terre. Et l'échec de ça qui a passé dans le pays, c'est en premier lieu l'échec des partis politiques, parce que c'est partis politiques qui étaient deux bails pays. Il y a une autre direction après 1986 qui n'est pas arrivé faire. Il y a un parti qui a frappé l'estomac, là, et comme ça, tout le monde a vu parler de frapper l'estomac que nous réussissons. Il y a une grave crise de société dont les partis politiques portaient une plus grosse responsabilité. De mon nous avons parlé là, c'est Dr. Edouard Joseph, qui est ministre de la Défense et gouvernement ça. Et matin, hein, c'est-à-dire, nous réveillons, nous en pile côté de la capitale là, en ébullition, des barricades, des tirs, des méga-examens qui dans la rue, en pleine tapage, non, une série de zones. Et ça arrivait, ma vie dit, ça dure un jour après que nous apprenons que le premier ministre Ariel Henry engagé auprès de la CARICOM, parce qu'il dit ça dans la réunion CARICOM, pour réaliser l'élection dans le pays d'Haïti le 31 août 2025. On a souligné que c'est le premier ministre Bahamassa, Philippe Déris, qui fait et annonce. Donc, est-ce que vous avez un lien entre ce qui a passé dans la rue à n'importe près avec annonce, nous pas gagné, mais le fait est que nous gardons une certaine accalmie et puis nous allons la reprendre et matin. Bon, bonjour, question voilà. Qui est vous-même en tant que on est ancien dirigeant, ancien premier ministre, ancien responsable politique, en tant que citoyen qui a vécu dans ce pays là ou pour accueillir et nouvelles ça. Bon, avec gros saisissement. Gros saisissement, mais il est dans un contexte bien déterminé. Saisissement parce que élection, d'ailleurs, constitution en dit, c'est manifestation souveraineté nationale. Ça veut dire que il y a un engagement comme ça et prendre un cadre de CARICOM, son bagage qui inapproprié. Il n'est pas capable de prendre à l'étranger du tout. C'est manifestation souveraineté nationale. Alors, nous très saisis, tendez ça. Même j'en ai pile l'autre bagaille, nous qu'on saisit, tendez. Parce que, et c'est ça qui est le problème, c'est la crise haïtienne. Non? Et nous qu'on entend des gens qui disent son tweet qui te mette premier ministre Ariel Henry en poste. Mais comment un tweet est capable de mettre un monde chef yon pays, chef pays d'Haïti, nous dit qui gens pour procédure à fait. Comment décision pour nous organiser élection dans le pays est capable de faire nos réunions CARICOM ou bien Nations Unies ou bien n'importe quelle instance internationale, comme on dit, c'est manifestation souveraineté nationale.
alors nous ka comprendre son bagage qui capable de révolter monde en plus monde capable comprendre motif décision hein, qui t'a dû prendre en Haïti même si moi-même moi toujours une distance par rapport à accord sou accord qu'a fait yo moi toujours dit que consensus son bel mot mais consensus pas toujours démocratique puisque l'on fait consensus ça veut dire nous fait tient compte entre nous. Mais ça que t'as dit fondamental, c'est l'application de la loi, la constitution, la loi qui dit gens pour société avancer. C'est pas toujours petit bout d'engagement ici, petit bout d'engagement là-bas. C'est manifestation crise et c'est dans ça nous y est là exactement. T'as bien deux accords que le premier ministre a joint avec les partenaires politiques et il a marché. Et puis là, t'as bien des discussions qu'a fait, mais t'as même capable d'arriver à un entendement sur ça et voilà. Et il prend décision quand même pour annoncer l'élection hein? 31 août, c'est ça? 2027. Et premier ministre qui a dit ça dans le CARICOM, non? Son premier ministre qui est très contesté que on a demandé pour l'aller et gagner et plusieurs secteurs dans le pays qui te souhaité que lui aller et avant 7 février même. Bon, aller ou bien rester, c'est pas ça le problème. Non, c'est une question de mission. Parce que quel que soit le monde qui occupe un espace de pouvoir, il y a une responsabilité par rapport au pays, par rapport aux sociétés. Maintenant, demander aller, c'est pas ça le problème. Non, parce que toujours demander mon aller, quelque légitime, quelque élu, quelque pas élu. Mais c'est là, ou là pour remplir une mission, ou là pour faire qui ça, et pendant là, qui soit réalisé. Bon, c'est ça qui est fondamental. Là. Toute la question est là. Et maintenant, tout ça qu'on a posé comme question, c'est, on est capable de dire l'importance d'un gouvernement, d'un chef de gouvernement, mais n'importe quelle autorité, par rapport à fonctionnement sociétaire. Parce que l'on n'a pas les élections. Les élections, c'est manifestation, souveraineté nationale. C'est là pour le peuple a décidé qui est-ce qu'il veut diriger. Mais au-delà de ça, les gens qui sont au pouvoir, il y a une responsabilité. Première responsabilité, c'est garantir bon fonctionnement pays, garantir sécurité. C'est une responsabilité de l'État. Puisque je suis venu faire une émission avec au matin, hier soir, je fais une réflexion différente qui a gagné entre pays et l'État. C'est-à-dire, nous sommes pays parce que nous avons un espace géographique délimité. Bon, il y a reconnaître nous en tant que ça. Mais est-ce que nous avons l'État? Et là, nous sommes capables de remonter très loin depuis l'assassinat de Salim. Est-ce que nous sommes construits? Il y a l'État qui a une différence entre l'autorité, ou bien le monde qui est sous pouvoir, et puis l'État qui a pris responsabilité, il y a l'État qui a fait garantir bonne marche société. Ah bon, nous la mode là qui est la gouvernance. Et je dis, il est clair, ou pas même l'État qui contrôle les territoires pays. Puisque pour aller, quel que soit le côté où on aller, c'est risque ou apprend et puis avec quoi pour gagner pour payer passage à droite et à gauche. Yon nan ça qui fait yon l'État. Alors pour mon capitaine de yon différence entre l'État et pays. Le pays c'est l'espace géographique. Nous avons le pays qui est délimité à droite à gauche, je dis 27 750 km². Mais l'État fait pour l'exercer autorité sur l'ensemble du territoire. Je dis il faut mettre l'existence de l'État en question. qui pas connaît qui ça contrôler. Il pas contrôler la rue, il pas contrôler les routes, il pas contrôler quoi que ce soit. Alors c'est ça le problème et ça c'est le problème fondamental au-delà de l'organisation des élections. Faut pas contrôler rien et puis mission c'était réaliser l'élection. Là ma cité premier ministre c'était repenser à mon qui était dit bon il faut aller 7 février et que je réponds ni pas grand mandat mais mission c'est réaliser l'élection mais pourquoi s'accrocher au pouvoir lorsque, et bon, me répéter ça encore, lorsque le résultat n'est pas bon? Mission un gouvernement pas capable pour réaliser l'élection. Et moi-même, moi toujours un désaccord à ça, même le, et dans l'histoire, non, toujours un bon petit bout de transition qui était une mission pour organiser l'élection. Bon, par exemple, dans la période n'a vivre là c'est transition bon ça les transitions sous transition hein, maintenant toujours un amalgame gouvernement transition et gouvernement provisoire
même capable de faire une référence qui était ban nous, qui était fait nous venir déboucher sous dictature. Et en 1956, nous passons 4 gouvernements, un an, 4 gouvernements. Et parmi les gouvernements, nous devons arriver là, nous faisons un gouvernement collégial. Côté, il y a 13 personnes qui ont dirigé le pays. C'est-à-dire que c'est le conseil des ministres, il y a 13 ministres. Et puis, tout ministre est constitué le pouvoir exécutif, pas bon chef du pouvoir exécutif. Bah, ça a éclaté après quelques semaines. Alors, là, on a parlé de crise haïtienne, non, son crise. Et c'est ça qui va être une bonne dictature. Les dictatures avaient une fête, et François Duvalier met pied sous ballon. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord par principe, mais il y a des gens qui te disent ouf, parce que ils ont sorti dans l'ambiance, côté chaque matin, tu as une révolution du palais, tu as un coup d'État, tu as une bonne lobby, etc. Eh bien, c'est ça la vivre là, je dis, on n'est pas capable de dire que la mission d'un gouvernement, c'est pour organiser l'élection. Élection, pourquoi faire? Nous faire élection. En pile fois, élection, venir en source de crise. Élection à qui ça doit permettre? Il doit permettre que le peuple a joué au rôle. Il doit permettre que gagne une alternance de politique démocratique. Elle doit permettre tout ou renforcer le système, un fonctionnement pays au bénéfice de la population. L'élection, en fait, c'est l'obéi, libéral pété, etc. C'est contestation, c'est instabilité. Maintenant, ce n'est pas dit qu'il ne faut pas faire élection. Il faut faire élection, dit la Constitution. Non? Mais il y a un environnement pour faire élection. Objectif élection, ce n'est pas seulement élection, c'est élection pour nous porter la paix, c'est élection pour nous garantir qu'il y a deux bagailles fondamentales. C'est capable de dire la sécurité et la prospérité. C'est deux bagailles, je dis à Napton. Et sécurité et prospérité, il faut gagner dans la stabilité. Alors, moi-même, ça, c'est la vision globale. Si ce n'est pas autour de vision, ça nous agit. N'a toujours passé à côté. Nous avons une équipe qui a plus de 30 mois là aux affaires. Nous pas même arrivé à mettre en branle la machine électorale là. Bon, mettre autorité électorale, moi, comme il y a aussi conseil au palais, conseil électoral et provisoire là, qui, lui-même, c'est là pour nous démarrer, pour nous mettre la machine en branle et organiser. Et pour être capable d'organiser l'élection. Mais là, on dit que ça n'est pas capable, seulement mission ou équipe. C'est parce que, il n'y a pas demandé, parce que il y a des gens qui estiment que il y a des bagages, c'est-à-dire des réformes qui doivent être faites dans le pays, nous avons besoin de ça, c'est des gens qui légitiment, donc des élus, des gens qui sont devant la population, ma dévotion, effectivement, ils disent, bon, c'est eux-mêmes, choisis comme président, choisis nous comme et magistrats, comme sénateurs, comme casse-casse, c'est nous-mêmes là qui prenons, mettez-nous nous ensemble pour diriger le pays. Mais comment on comprend que ça ne veut pas dire ou pas qui arrive à faire sans ça en plus de 30 mois? Bon, c'est un constat de défaillance. Un constat de défaillance, c'est-à-dire que la mission d'un gouvernement, bon, plutôt utiliser le mot intérimaire, parce que mot provisoire, mot transition, il y a charrié trop de bagages. Donc, un gouvernement qui l'a, non, tibissant parce que il y a une rupture de la démocratie, un président est assassiné. Bon, maintenant, un premier devoir, gouvernement, on dit premier devoir, pas le seul devoir. Premier devoir, c'est faire démarche pour que au plus vite faille ça à corriger pour que nous retournions à l'ordre démocratique pour gagner un président légitime et un pouvoir légitime, pas un président, un président élu d'abord, mais un pouvoir légitime qui prend place. Bon, il est clair que M. Henry pas atteint objectif ça pendant tout mois, il gagne, quelle que soit explication il travaille. Et au niveau des accords qui signent, bon, c'est sûr que l'accord n'est pas arrivé à appliquer. Mais moi-même, m'a utilisé deux mots. M'a utilisé le mot défaillance d'une part et le mot inconsistance d'autre part. Et défaillance au niveau du pouvoir, bon, il va commencer avec M. Henry, mais comme c'est dit que là, on a centré sur lui. Mais inconsistance tout de reste société. Parce que ça qui a passé là, je dis, a pas gagné aucune proposition cohérente d'alternative à
rien. C'est-à-dire que tout le monde lève au matin, il y a un doigt plein dans le micro, plein dans l'autre micro. Mais pas gagné un bagage qui t'a dit que bon, gagné, pas qu'on ait un ensemble d'institutions, de partis politiques qui mettent tête ensemble, qui dit bon, mais côté nous parler. Alors la question, je dis à même peuple haïtien, très prudent, ou pas cap dit, faut monsieur aller, c'est pas seulement aller. Aller, oui, mais ça cap vini, hein, qui mission, les comment le bras le faire. Ou capable dit, m'a vini rétablir sécurité, mais mon yo, il y a besoin qu'on ait, il y a besoin d'acheter chat dans ma cour. Comment pral et rétablir sécurité? Donc, ces derniers temps, c'est un mot révolution qui était à la mode. Bon, révolution, c'est un bel petit mot. Mais, dit mot révolution, c'est yon. Mais comment pral faire révolution? Qui sa révolution charrier? Bon, comme la font parenthèse, sous ça, c'est un mot qui était à la mode. Et bon, il y a des gens qui parlent de révolution pacifique, il y a des références de révolution pacifique, parce que la révolution en lui-même, ce n'est pas une question de retirer les gens, de mettre les gens, c'est une question de changer l'ordre des choses, les gens ont besoin de sécurité, ont besoin de manger, les gens ont besoin de l'école, les gens ont besoin de la paix, les gens ont besoin de travail, c'est ça la révolution en deux charrières. Bon, qui ça a choisi, il y a la guerre sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont un gros boulevard. Yo choisi yon racoté François Duvalier, dictateur François Duvalier, et pas de malgré m'te combat Duvalier, mais écoutez, m'on d'accord avec lui, m'on d'accord avec bagaille, il dit, mais fois ça m'a fin d'accord avec lui, côté de révolution, c'est coup de fusil. Bon, révolution, c'est pas coup de fusil, révolution, capacité pas coup de fusil, mais objectif révolution, c'est changer l'ordre des choses en faveur de la population, c'est faire moun manger bien, gagner l'école pour moun aller, gagner la paix, gagner la sécurité, etc. Alors, c'est même bagaille, grand pile bagaille n'a dit, donc on parle à grand pile monde, et puis moi, yo kon dénoué de sens. Et, ok, et, monsieur Henri, il faut aller, la brasse, il faut aller, pas arrêter tout ça, il faut aller quand même. Mais maintenant, ça qui a venu, qui ça l'a poté, qui projet, qu'est-ce qui empêche, je dis, à que l'ensemble de monde qui compte monsieur Henri, t'as mis tête ensemble, et puis yo proposé un bagaille qui fait sens. Ça fait déjà dans l'histoire pays, a même pas senti ça, et malheureusement, li capable, monsieur Henri capable de profiter, docteur Henri pardon, capable de profiter de vide ça, de inconsistance là, gain droit, fait force défaillance li. Élection exercice de souveraineté par excellence, vous souhaitez souligner ça, mais maintenant, est-ce que Jovi a la seconde sens dans la mesure où annonce les fêtes et à l'étranger? Et en plus, M. Davis, Premier ministre Bahamas, qui a annoncé ça dans la conférence de presse hier, lui dit tout, qu'on équipe, et qui peut aller en plein pays à l'art, et qui gagne un représentant CARICOM, Nations Unies, notre partenaire, et Canada, eh bien, qui pourrait venir garder besoin pays d'Haïti en matière électorale et pour présenter un rapport, et c'est 31 mars 2024, 31 mars prochain. Mais pendant qu'on a parlé d'élection, mais nous voyons son bagage que international là, les prend en main. Dans quel sens, même l'élection n'est pas arrivée faite, même les conditions n'est pas réunies pour réaliser de bonnes élections dans le pays, nous allons parler de ça là tout à l'heure. Mais est-ce que ça lui-même la permet nous capable de reprendre souveraineté nous, que ça dit une équipe qui vient qui reprend le pays en main pour faire que c'est haïtien qui compte problème, haïtien qui crée problème non, et puis qui a cherché des solutions viables pour résoudre, monsieur Paul? Bon, moi parce que m'aborder thème ça déjà avec vous dans une émission pas avec vous. Je pense que au niveau international, ils sont fatigués avec Haïti et ils ont relégué nous. C'est-à-dire qu'ils ont descendu grade nous. Nous connaissons ces monde qui connaît football. Donc, au cadre de la première catégorie, ils mettent dans la troisième catégorie. C'est-à-dire Haïti tellement ils ont payé, ils sont fatigués avec lui. Et regardez même genre dossier Haïti a traité. À un moment déterminé, c'était au niveau des Nations Unies. De l'OEA, bon, souprend quand même, Nations Unies, c'est une organisation mondiale, l'OEA, c'est une organisation régionale à large qui couvre toute Amérique là.
qu'on a nous dans CARICOM, ça veut dire que yo rétrogradé dans CARICOM, ça pas dire que CARICOM pas important, mais l'autre est sorti dans Nations Unies, tombé dans l'OEA, qu'on y a vu dans CARICOM, ça veut dire que y a cherché un gens pour retirer ou sous scène, parce que ça arrive déjà, il y a des pays yo vague sous yo parce que fatigué avec yo, même par exemple pour tout cap vin en Haïti ou à recruter un pays en Afrique de l'Ouest ou de l'Est, et bien, c'est de ça qu'on parle là, même où il y a des pays qui étaient traditionnellement voyés tout en Haïti, que ces pays d'Amérique latine, que ces États-Unis, que ce Canada, ils n'ont pas à voir les troupes, ils ont plutôt dit à Baïkob, ça veut dire que qu'on fatigue de la question haïtienne, il faut haïtien prendre conscience de ça. C'est sûr que faut qu'on on marge de coopération avec la communauté internationale, mais responsabilité à ces responsabilités pas nous liées. Maintenant, de plusieurs monde dit ça. Il y a un professeur d'université récemment qui dit que Haïti pour contre lui, Haïti pour contre lui. Bon, pour contre lui dans un sens, parce que problème, non, c'est problème nous liés tout. Alors moi-même, moi, franchement, moi très sceptique à la question. Déclaration ça qui fait dans réunion CARICOM là et puis a promesse il a bien fait évaluation tout le monde compte problème d'Haïti. Premier problème pays d'Haïti son problème de précarité. Deuxième là son problème de sécurité. Il y a monde qui t'a dit a mettre sécurité en premier et m'a dit pour qui ça mettre précarité. Précarité veut dire a fait pas bon grand goût misère pas gain travail etc. Tout ça pas justifié mais entraîner problématique gang n'a vivre là. Mais si on allait de façon plus globale, on prend trois pays dans Caraïbes là. Et m'a fait référence à un livre professeur Sauveur Pierre Etienne écrit qui fait une grosse étude sur trois pays ça, Cuba, République Dominicaine et Haïti. Et là on peut aller au-delà d'un siècle. Et ben regardez qui investissement qui fait dans pays ça yo. Et puis regardez qui ça fait en Haïti. Qui ça qu'a expliqué pendant plus d'un siècle où tu as gagné le phénomène d'abord haïtien pour aller couper comme Cuba et puis après ça il a couper comme Saint-Domingue, c'est parce que gros pays particulièrement États-Unis qui a fait gros investissement, il a fait au Cuba, il a fait en République Dominicaine, Haïti était toujours traité par rapport et ce sont bagages raciaux. Et c'est ça qui fait précarité, il faut ne pas négliger la crise haïtienne. Non? C'est ça qu'il faut gagner d'abord, parce que les Haïtiens, qui dans un premier temps, pour couper comme Cuba, bon, là, il y a une révolution cubaine, il n'y a pas le Cuba encore, et puis il y a aller en République Dominicaine, il y a un massacre qui est fait en 1937, et patati et patata, qui fait que là, on a parlé de la crise haïtienne, il y a l'aspect conjoncturel de ça, on a vu aujourd'hui, mais il ne faut pas déconnecter le processus historique, économique qui mettait sous la grabat avec d'abord la responsabilité des Haïtiens, les Haïtiens qui gèrent le pays, mais tout gagne une certaine implication de l'international. Parce que, l'on prend par exemple, depuis 1992, nous avons des missions qui ont monté des sons en Haïti, qui voyaient toute qualité expert, qui coûtaient paquet mago l'argent. Mais il n'y a pas de résultat non plus. Problème dans ces problèmes haïtiens. Premier échec là, c'est échec haïtien. Premier responsable, c'est haïtien. D'accord avec ça à 100%. Mais il y a une certaine implication de la communauté internationale. Tout, ce n'est pas problème, pas c'est vrai. Mais au même tout, il y a partagé problème, crise haïtienne en quelque sorte. Et que je dis, il est difficile pour venir en donneur de leçons. Il est difficile tout pour dire qu'il y a une solution parce que. Yo essayé, yo ça pas marché et nous gagnons 30 ans on est capable dire de présence internationale en Haïti jusqu'à ce que pays a vienne plus invivable que j'en étais avant. Mais n'importe quand il y a aujourd'hui là c'est même pas là on a préparé pour nous faire là. Eh bien c'est ça qu'il faut nous faire très attention. Lors des problèmes, nous venons de où? Mais on vient d'aider jusqu'à un certain point. C'est comme d'adou log un problème ou capable gen problème ou la griter ka un monde pendant petit bouton pas fait toute vie ou kay moun nan. Je dis a plus gros problème moi les m'a réfléchi. C'est pas que force Kenya pral vini ou bien le pape vini parce que avant Kenya te gen l'autre. Mais qui ça nous gagne comme plan pendant la présence de cette force kenyane
pour nous ranger les affaires, nous pour ne pas mener, pour ne pas obliger à demander l'autre force encore venir au nom de la souveraineté nationale qui s'en a fait pour nous résoudre le problème force de sécurité. Parce que nous gagnons deux bagailles pour nous prendre, deux symboles. L'on prend un pays, chef l'État pays, yotouil, on poule, on pas qu'à une justice. Ou gagne un symbole autorité dans le pays. Qui ça symbole autorité? C'est mon uniforme. C'est les policiers. Chaque jour, tout en de tout yon policier à droite, tout yon policier à gauche, ou pas jamais entendre aucun suivi qui dit qu'ils ont puni moun qui touye policier. Et policier, c'est symbole du pouvoir. Alors, sou pa résoudre deux problèmes ça yo, l'État pas ka bay pour tête li sécurité, pas ka bay chef li sécurité, pas ka bay agent sécurité, et les gon bagay ki rive yo, yo pa puni moun yo, ou bien yo traité moun yo d'une certaine manière. Le yo mouri, se nan palan pil pou ba yon ti kòp pou anterman fete, moun nan li non kòl la touche mal, li pa gen assurance. Ki fè jodi a, pandan nan pale de fè yon fòs vini, men nou gen de fòs kap destabilize sistematikman, swa paske yo dekouraje, swa paske yo viktim de zak bandi, swa paske yo neglije yo tou, paske lò pran tout ambiyans ki jan yo peye yo, etc. Et dans le phénomène sacré, le programme Biden, aujourd'hui, sous fait enquête, on a un paquet de policiers, un paquet de militaires qui pourraient aller. Bon, alors maintenant, le monde qui a sorti Kenya, mais quelque soit côté, il a sorti. Pour combien de temps il a venu? Pour un petit bout de temps. Pendant qu'il venir, qui plan nous gagne, nous-mêmes, pour nous dire, bon, pendant qu'il là, que vous faites un an, que vous faites deux ans, nous avons pris une situation en main. Nous avons paré la pli. Nous paré la pli, on va paré la pli à vie. Les la pli a passé, il faut aller à la caillou. Mais on parle de force là que moun ki nan l'état yo avec un pile de nè et yo pa mete force yo en condition, c'est-à-dire pour yo rempli mission, pour yo assurer sécurité, pour yo protéger et population qui sa sa ta dwe di pour par contre des moun ki ki nan peyi a le ap gade et jan responsable yo met en pile autour de responsable encore yo même y a pas agi. Bon, ne pas oublier que m'te dou moi t'a fait une réflexion sur l'état ak pays, pays ak l'état. Il est clair que nous son pays et son bagay nous bataille pour lui, ancêtres nous mourir pour lui. Bon, personne pas mettre ça en question, nous son pays, nous avons territoire officiellement délimité. Mais question l'État, et c'est là le problème, nous n'avons pas jamais risé constituer l'État. Soit nous avons un groupe de monde qui prend pouvoir, qui exerce là avec groupe point et les gens qui victimes, les gens qui profitent, soit nous avons des bandades pour ça la vivre qu'on y a, nous gagnons chef, mais pas gagnons autorité, parce qu'il y a une différence, chef là, bon, ok, chef, mais autorité, c'est mon cap agir, cap penser, cap prendre responsabilité. Qui fait la crise fondamentalement, c'est la faillite de l'État. Et c'est pas jodi à faillite de l'État. Parler, il y a un professeur qui est André Corten, qui écrit dans que faire, c'est une série, une revue qui est comme sortie sur le monde. Et puis, que faire? Bon, Haïti est considéré comme l'État en faillite. Et à certains moments, il a associé la République dominicaine avec Haïti. Mais je dis à la République dominicaine sorti dans la limite l'État en faillite là. Et parce qu'il crée stabilité là depuis 1994, il y a eu fait 10 changements de gouvernement sans l'obéir. Avant ça, c'était laissé frapper même déjà avec nous. Qui fait stabilité politique son élément important. La sécurité publique son élément fondamental. Et puis travailler pour la prospérité, pour mon vivre bien, puis bien chaque jour, toute société qui a un problème, je pense que c'est l'objectif fondamental. Ok, mais comment nous allons arriver à faire révolution ça? Parce que là, vraiment, on a besoin de changements profonds. Et maintenant, est-ce que Bakadi nous va jamais gagner des dirigeants, des gens qui sont au pouvoir, qui pensent à bagarre ça, mais y a pas tellement en pile. Ça dit pour me très très généreux. Il y a pas en pile pour une raison simple, parce que
leur chef l'État, faut gagner l'État pour diriger. C'est-à-dire que sous gagner l'État, c'est-à-dire, on regarde le football, qu'on prend tout le plus gros coach qui est dans le monde, ou bien l'équipe haïtienne, mais qu'on fait avec lui. Parce que le problème, ce n'est pas une personne. Et c'est ça qui est toujours le problème. Non? C'est ça qui est toujours la situation. Chaque les gens qui se pouvoir, tout chat est là net tombé sous dol. Mais l'État, c'est institution, il faut avoir un minimum qui est capable d'organiser, qui est capable d'ailleurs. Et nous dit l'État haïtien, chita sous trois pouvoirs, depuis nous petit, il n'y a pas de nous ça. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, je dis à. Et garder chaque pouvoir ça séparément, bon, il y a un dysfonctionnel net qui parle du tout, c'est le pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, l'entendre de chaque matin, qui qualité l'obéi qui vient là-dedans, le pouvoir exécutif là de même, nous n'avons pas gagné total. Alors maintenant, les personnes, les individus, quelle que soit qualité, quelle que soit formation académique, ont un environnement qui a évolué, ils n'ont pas fait grand-chose, parce que faut gagner une équipe pour jouer. Montrer capacité individuelle aussi par l'équipe, par la difficile. Oui, et ma pas pour même exemple pour prendre, c'est que quand ça pas faire grand chose avec l'équipe ça, sous dit par exemple, ok, à jouer demain, après demain, mais sous ou pas longtemps, vos résultats politiques sportives, mettez si monsieur, si mesdames, et en condition, saisir ou elle, l'autre visage. D'accord avec vous. D'accord avec vous, mais go bagaille. Et là, comme n'a parlé, n'a pas une métaphore sport, football là, mais on regarde un aspect nous aborder déjà dans l'émission, c'est la stabilité. Bon temps de stabilité qu'on a besoin. Alors là, maintenant, au-delà de coach, etc., il faut créer un environnement politique pour nous dire que mes côtés nous voulons arriver, mais ça nous voulons. Parce que ce n'est pas au hasard. Ou gagne yon moun tan kou ansyen sénateur Tuneb Delpe ki te gen des ale la poule la conférence nationale. C'était un constat que nous sous des bandades l'État a déraillé et n'a pas parlé de 30-40 ans. Et puis ça n'a pas marché. Et puis maintenant, fon de gon côté nous chita pour nous définir règle jouet là. Qui fait jodi ya? C'est pas seulement pour réunir quelques joueurs, c'est pour définir qui système on va jouer, soit on va jouer 4-3-3, soit on va jouer 4-2-4, pour arriver à quel objectif et qui dans qui environnement faut jouer, manger bien, faut gagner terrain tout pour entraîner pour pas casser, faut là pour choc gain monde qui pour prendre son physique, faut un paquet d'éléments qui entrent là-bas. Alors, m'a fait référence à jouer, m'a parlé de policiers par exemple, m'a parlé de l'autre monde qui dans l'état gain et puis le souterrain, le fond bas qui pas bon. Yo bon carton rouge yo retire dans jeu là, le match a continué. Match a continué. Alors c'est tout ça pour nous garder notre dynamique là, pour nous vivre, pour nous refaire l'état, parce que le problème maintenant c'est le problème l'état. Premier élément pour nous constituer c'est l'état qui doit pivot que monde. Laissez chaque monde qui vient qui fait l'état par eux, gens par eux. Qui pas marcher. Faut c'est l'état qui. Monsieur le Premier ministre, vous êtes qui avec nous. Et je dis à l'invité du journal, M. Paul, moi t'as parlé de, les leaders du pays, les dirigeants, ça s'appelle guillemets encore, qui savent faire, ou te dit que ça veut pas gagner pour faire, ou pas faire, qui expliquait que le pays a une situation ça. Par exemple, notre pays est stable depuis trop longtemps, souligne la nécessité pour nous t'as créer, condition pour nous stabiliser le pays, à même TV, continuité sous mot créer, veut dire établir, créer, mandé volonté, mandé réflexion, des réflexions profondes, et mais c'est ça, nous pas gagner capacité ou bien nous pas gagner volonté pour nous faire. Bon, c'est la question fondamentale, et bien qu'on va aborder aspect ça, pour ne pas faire une émission seulement sous plein. Créer à l'égain deux gens pour nous wèli. Gen moun qui gagne responsabilité créer à ces moun qui sous pouvoir qui pour ta créer n'ta capable di condition de stabilité, garder comment a gérer budget pays a et puis garder tout comment société a évolué. Mais gen l'autre moun tout qui gagne responsabilité parce que pays a li passe pour gouvernement son petit bout de temps a fait. Et bien maintenant, c'est pour entrer dans une dynamique de réflexion et d'organisation.
c'est-à-dire des citoyens qui discutaient ensemble. D'ailleurs, c'était le rôle du parti politique là. Moun qui d'accord sur même vision, yo entend yo et puis yo bataille pour faire population, peuple là, dans une certaine majorité, adhérer à l'idée et puis pour venir appliquer dans le pays. Eh bien, je dis à moi-même, proposition pas maintenant, c'est ça lié, puisque nous avons l'État qui fait faillite, nous avons l'État qui est à genoux, nous devons sensibiliser, nous fixer, nous concentrer, nous centrer nous sur l'État, mais comment vous le faites? Parce que, il y a des gens qui sont au pouvoir, mais si les gens qui sont au pouvoir pas qu'à faire, pas qu'à regarder, il faut qu'il y ait l'autre monde, quelle que soit la qualité, qui organise un parti politique en particulier, vient à un projet, vendre un projet à bail peuple, faire compétition, parce qu'il y en a bail de questions d'élection, il faut faire élection. Mais si vous ne faites élection, c'est même bagarre là qui commence encore. Si pas un projet, il faut élection faite autour de projet. Élection, ça appelle d'offres liées. Son appel à candidature. Bon, j'ai eu qu'on dit dans la Constitution 2000, besoin de journalistes, là, il y a des critères, comment la recruter journaliste, là, quelle qualité pour le gagner, et puis il est capable de faire test, et puis maintenant, il y a qui monde qui passe parmi moun, yo, même bagaille, soit font route, soit font bagaille, ou dit bon, on a fait route là, mais qui critère qui nous voulait faire route là, et puis moun qui pensait qu'il y a une capacité pour ça. Je dis à moi, penser que, et nous vivons ce qui a passé dans le pays, nous ne pouvons pas prendre à la légère. C'est pour une simple question. On dit qu'il voulait ou bien il est capable. Je dis à force de vouloir, mais il faut montrer qu'on est capable. Et la capacité n'est pas une question de personne, c'est une question d'organisation. Nous prenons une métaphore équipe là. Alors moi-même, pour moi, je pense que la question reste ouverte. Gouvernement d'abord, mais au-delà du gouvernement qui dit même tout échoué. Moi, lancer appel là à tout le monde, l'autre parti politique qui est là, l'autre nouveau parti politique, même si on dit grand pile, mais jusqu'à présent, pas gagné par résultat. Mais nous, on croit que des gens qui sont capables, qui sont dans le pays, des Haïtiens qui sont capables, bon, qui à l'extérieur, qui y a demandé que ça pour yo, et faire l'appel avec eux et pour être capables de venir aider. Mais ça veut dire que ça, que lorsque il y a des chefs qui choisissent, mettent dans entourage, tandis que qui sont capables. Bon, c'est une question très complexe. C'est une question qui l'a depuis très longtemps. D'ailleurs, la petite histoire, il y a toujours fait comparaison entre Firmin et Tonton Nord. Et, dans l'histoire pays d'Haïti, c'est une question de capable, pas capable, etc. Mais la question, capable, pas capable, là, il combat les Machiavel. Les Machiavel combat avec les légitimités. Aussi capable qu'on capable, il faut gagner légitimité parce qu'on n'a pas de domaine politique. C'est pas chita ou chiton côté ou du capable, il faut entrer corps en bataille là pour joindre autorité, légitimité, délégation de pouvoir qui pouvons capable là. C'est la première chose. Maintenant, deuxième chose, quel que soit gens t'es capable là, bon environnement ou rivé, bon, pas qu'on nous mette pour petit gros joueur football yo. Si boule chaussette, nous devons jouer avec l'MDPT. Si c'est boule chaussette, là, bah, il y a joué. Bon, garanti, il n'y a pas performant. Alors maintenant, l'environnement, tout qui sort gagne comme matière, et c'est ça que fait, il est fondamental pour nous centrer sur question organisation l'État. Parce que question l'État, c'est l'autre question. Nous sommes pays, mais nous pas construit l'État. Il dit que mission, tout le monde qui dit capable, je dis, c'est comment nous capables réorganiser l'État, comment nous établir l'État qui pour faire payer à fonctionner. Sous question capable, pas capable là toujours, ça qui fait que mobilisation d'avant 7 février n'est pas abouti à départ à rien. Bon, parce que on ne saute pas l'État là de deux mots, défaillance, inconsistance. Normalement, il y a une défaillance du PM Henry. Et de son gouvernement, mais il y a une consistance tout du côté du reste. C'est-à-dire que chaque monde qui a boumé, c'est le côté de rapport, c'est lui-même qui chef là, alors pas de cohésion, pas de bagaille. Il a profité de ça, et c'est pareil qu'il a depuis longtemps. Alors moi-même, j'aime moins garder ça qui a passé. Il y a des fois, on fait silence tout, ou plutôt fait silence pour observer, pour garder ça qui a passé. Dans des matchs, sur un genre,
Souvent, j'en joue la démarrer. Ou déjà, ouais, qui équipe qui a perdu, qui équipe qui a gagné. Alors, c'est bon question de même de gagner, gagner. Perdu, c'est la pagaille totale. Ok. Bon, sur l'équipe qui a perdu là, c'est l'équipe Haïti. Mais est-ce que. La population. Absolument. Est-ce que ça veut dire que l'arme de la mobilisation est. Ça veut dire les limites, les aujourd'hui, ça veut dire qui fait les pas marcher. Parce que la réalité, c'est ça, les pas marcher. Non, c'est sûr que alors maintenant tourner sur même question l'État, parce que si on prend même métaphore football là, quel que soit jonté joué ou bien joué belle jouette, etc., bon, sous perdu si au calot tout le temps, bon, ou pas marcher, c'est à dire que changer monde, mettez monde qui a une réputation capable, monde qui n'est pas capable, etc., résultat c'est ça lié. Maintenant c'est pour nous bon l'État qui a répondre aspiration peuple là avec on capable dire sa pays à charrier comme valeur à valeur pays. La question fondamentale c'est reconstituer, consolider, organiser l'État. Alors si nous pas prendre bagaille là et ceci par contre l'État pour nous diriger, ben on a toujours un petit bout de gouvernement, on a un petit bout de chef, mais pas jamais une autorité. Ok, faut garder respect pour le monde, pour les joueurs qui sont perdus avec les honneurs, et puis des gens ouais, qui soutiennent, hein, et pas mouillé maillot. On vient là sous ordonnance et juge Walter Wessel Voltaire sur l'assassinat Jovenel Moïse. J'ai noté que vous avez dit, il y a quelques minutes, M. Paul, que garder un président mourir, et puis ça a fait pour le de la justice. Et, bah, documenté sur réseaux sociaux, est-ce que vous font garder ou la déclaration des uns et des autres, arguments et juges là, et puis monde que vous voyez pour y aller, et qui, bon, je ne sais pas indexé, en fait, qui ont inculpé, qui pour aller dans le procès, bah, ça a fait par l'empire dans le pays. Bon, maintenant, une bonne question pour nous poser sur. Le mécanisme, et c'est la question de l'État. Lorsqu'on juge, et c'est pas seul juge ça, qui prend décision au nom de la République. Maintenant qu'on est au nom de la République, c'est un gros bagaille lié. Et qui ça juge la gagne en main pour prendre décision ça? Parce qu'il y a un juge quand même, il y a une formation, mais il y a une limite pour faire émission ça, ou bien il fait émission à faire. Il y a des questions besoin aborder. Ou même on connaît ou pas gain compétence pour question prend micro ou parle ou chercher moun ki plus ou moins gain compétence mais ou bien gain réputation gain conséquence compétence là ou ba ou parler orienter qui fait le problème de d'instruction ça dans qui environnement instruction ça au fait qui ça juge gain est-ce gain équipe est-ce gain cabinet est-ce que gain budget moi même toujours tant de chaque lè ou nommé un juge d'instruction sur un dossier sensible. Il y a toujours Abdou que le juge a besoin et conditions pour le travail. Mais l'unique point temps de énoncer dans conditions pour le travail, là, c'est sécurité. Je pense que sécurité, c'est yon là-dedans. Il faut que l'équipe, il faut que l'équipe qui qualifie, il faut que l'équipe qui fasse enquête, il faut que l'équipe qui ait un bon aspect dans la question ordonnance. Moi-même, c'est sûr, moi lis ordonnance là. Et bon, attendu que on balit tout parce attendu que on pile mais attendu que qui c'est on ta capable de considération juge là parce que l'ordonnance écrit ou on doit grand pile bagaille cap dit ça que monde dit ou mettez les gens voulez. Bon, maintenant nous gain deux langues, nous gain langue française, nous gain langue créole. Maintenant si on a écrit créole, on a écrit créole, si on a écrit français, on a écrit français. Bon, on attendu que qui dit que si en dans babay dehors pas prend bon son proverbe haïtien mais l'écrit non français droite et gauche. Maintenant sou ta prend exemple sou ka prend l'autre exemple encore ou senti que gen légèreté gen grand pile faille qui fait que ordonnance la capable attaquer etc. Maintenant faut demander dans qui ambiance li fait est-ce que gen l'autre monde ka essayer teke pi moun, est-ce que y a pu utiliser l'an mot président pour éliminer moun sous scène politique? Parce que c'est ça qui problème, non? Et comme te prend dossier ça, au commencement, l'État pas qu'à garantir propre chef li
sécurité propre chef li, li pas capable assurer la justice. Alors faut me dire en parenthèse parce qu'il n'a pas très honnêtement, gen moun k'ap tande nou, faut nous gen conscience pour nous demander est-ce qu'il s'agit de crime d'état, parce que il y a des crimes d'état et à travers le monde, tu gagne Patrice Lumumba ou tu gagne même au monde tant que Rafael Trujillo en République Dominicaine ou tu gagne Salvador Allende au Chili. Gagné même aux États-Unis, Kennedy ou bien Abraham Lincoln, etc. Gagné des crimes d'État. Crimes d'État, c'est un monde, bon, il y a tout, il y a sous pouvoir, ben, l'État, pour raison, pour l'autre monde qui est dans l'État, éliminé lui, et puis maintenant, il y a tchat changeant, pas jamais gagné justice. Est-ce qu'il s'agit d'un crime d'État? Maintenant, l'aime garder tout, tout ça qui passe dans l'histoire d'Haïti, parmi cinq mondes qui mourent mort violent, dans l'histoire d'Haïti, en commençant par Dessalines, Ville-Bon Guillaume Sam, Cincinnati, les comptes, et puis juste nous arriver, Sylvain Salnave, pour nous arriver dans Jovenel Moïse, et mais pas jamais gagné un côté dans l'histoire, on fait recherche sur ça, qui gagne même un similaire de justice. Bon, même dans le cas Sylvain Salnave, côté c'est soi-disant fusil ou fusil, qui était un acte à l'époque judiciaire, même pas joindre à partir de quelle considération, qui ça a été reproché, pour qui ça a été fusillé, etc. Alors, Jovenel Moïse, comme cinquième président, il a tout yé sous pouvoir, eh bien, il était seul monde qui t'a, qui non contexte, qui t'a qu'à joindre justice. Mais Jean-Marie l'a passé. D'ailleurs, il faut demander qui côté justice ça fait, si c'est en Haïti, si c'est aux États-Unis. Parce que c'est un amalgame. Les gens qui sont impliqués dans le crime, et qui sont condamnés aux États-Unis, ils sont en prison. Bon, justice haïtienne, par contre, qu'un accès sur yo. Qui ça la justifie? C'est la manifestation de la vérité qui fait abgé mon sou vérité pour Haïti, mon sou vérité pour États-Unis. Et il est clair que en pile monde, il est très difficile pour parce que ça justice ça, c'est manifestation de vérité pour la vérité sur qui Jean président mourir, et c'est très grave. Est-ce que ça veut dire pour que enquête là pas qu'à orienter aux gens pour pas répondre à des questions essentielles? Justement, c'est-à-dire qui moun qui passe le crime, qui est-ce qui finance, et par exemple, et nous garder, et un pile monde qui sous liste là, c'est des exécutants yoyo? Deux questions fondamentales. Deux questions fondamentales. C'est première question fondamentale là, qui motivation crime? C'est-à-dire, vous capable de dire motivation autour des Jovenel, mais motivation. Qui yo te touye pour prendre pouvoir, qui moun ki t'a pral prendre pouvoir, et pour faire qui ça maintenant, qui côté rejoindre cob pour financer le crime, qui fait deux questions ça yo. Moi même k'ap gade et qui nan politique, moi même m'ap gade l'instruction avant dim qui moun ki impliqué, c'est sûr gen moun ki impliqué, faut gade qui moun ki t'a pral prendre pouvoir. Et puis parce que tout crime d'État li fait, ou bien crime d'État, crime de pouvoir li fait pour intérêt, qui moun ki t'a héritier pouvoir, et puis à qui profite le crime, et deuxièmement qui côté financement sorti, qui fait deux questions fondamentales ça, et tout temps yo pas répondre, tout monde a toujours été sous voie. Bon, on répond sur ça, c'est yo censé bail, parce que ou moun gen doit poser question sur ça, mais yo du bon monsieur le pasteur Emmanuel Chano. c'est première fois moi dans l'émission, parce que n'a vu un moment très tragique, pas gain capacité, pas gain gens pour mourir. Parce que ba n'a parlé, n'a parlé de la vie monde, n'a parlé de détresse de monde qui mourir, pas gain gens pour mourir. Mais Léo dit Emmanuel ça non, ou même qui sait qui sont citoyens avisés en tant que journaliste senior, ou qu'on est monsieur ça. L'État vraiment rare pour c'est lui-même qui est capable de prétendre ou bien qui est en position pour les héritiers d'un pouvoir en Haïti. Je dis, c'est difficile pour faire mon quoi ça. Les catégories outils, ils sont instruments, ils sont éléments, mais l'extrêmement difficile pour ta faire quoi que ça, ou pour faire n'importe qui haïtien quoi que c'est monsieur ça non qui t'a organisé bagaille là et que c'est lui qui t'a pas le pouvoir. M'pas fin voir comment c'était possible. Même si tête li pas droite, parce que même dans folie il y a une limite. Bon, une question parmi monde qui inculpé yo et gagné monsieur Léon Charles qui était directeur et police nationale là et à l'époque et bon
Et nous lisons dans l'ordonnance que le président Terelel et bon, ça dit Terelel, il y a une explication dans l'émission que il fait vendredi et dernier, ça n'a pas arrivé, mais appel était fait, mon arrivé, mais et bon, où sorti un grand blocage et la question, mais hier, mon frère, il y a une émission avec un monsieur qui compte la sécurité. Le pays d'Haïti, c'est colonel, il me l'a rébu, que on connaît bien. Il dit que, attention, hein, j'en appelle gérer le dossier ça, parce que Léon Charles, il pratiquement pas rien pour le dans la ça, dans la mesure où il dit, on peut arrêter le 1er février 2016 sous organisation sécurité en Haïti, 2016 où t'es. Ou t'es premier ministre, ça fait? Oui, bien sûr. Alors, Ok, comme tout bien, oui. ça fait. Que, et selon, justement, arrêter ça, et unité sécurité présidentielle n'a pas gagné l'ordre pour le recevoir, pour le recevoir de quel monde que du président de la République, et que, est-ce que ça veut dire que Léon Charles, et n'est pas bien président réel, et puis lui, les baser sur ça pour les faire faire ça, ça doit faire pour venir en aide à président, c'est question de ça. Bon, moi tendez ça tout. Et depuis me tendez ça, malheureusement, dans l'archive personnelle, moi, je n'ai pas gagné copie arrêtée. Et m'a cherché procureur me délai. Cependant, et l'étape extrêmement difficile pour qu'on arrêté qui changeait sa constitution en dit et qui changeait sa loi dit. Parce que quand même, ça y est la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, constitution en lettre tête toute bagaille. Après constitution, c'est loi qui régit question. Et puis maintenant, on a toujours gagné arrêté, on a toujours gagné amendement, mais il faut aller dans la logique. La police est régie par la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale, qui était publié dans le moniteur numéro 103, 28 décembre 1994, qui définit rôle directeur général la police là. Alors, il est extrêmement difficile pour ta gagner arrêté. Ils ont arrêté et qui sont mesures administratives, t'as capable changer loi et puis changer sa constitution dit comme mission principale d'un directeur général. Et m'bra aller plus loin. Si on monte à un directeur général, et puis yo ta bo yon bagay pou dirije, puis ta gen des contraintes comme ça, mon cher, et surtout dans le corps armé, pas quoi que faut aventure là-dedans. Alors moi-même, moi pas gen arrêté avec, même chercher le beaucoup journée, et n'importe qui l'en carré parler de ça encore, même moi gagne une loi qui régit la police là, qui définit rôle directeur général de la police là, qui gagne autorité sur ensemble de structures qui gagnent dans la police là. Alors, moi-même, je m'étais Monsieur Léon Charles avec un pile attention. Il parlait de gérer troupes. Il pas gagné commandement troupes. Mais il pas capable de gagner commandement troupes. Parce que c'est un directeur général lié en charge de toutes troupes. C'est là comme t'as dit, moi j'étais premier ministre, moi j'étais en charge du gouvernement en général. Même pas de responsabilité spécifique d'un ministère. Et si mon bagage, moi, t'ai besoin de régler un rapport à l'État, faut me passer l'ordre là-bas au ministre. Il est vrai qu'on gagne deux premiers ministres qui en même temps ministre. Ministre, ça veut dire en charge d'un ministère. Alors moi-même, mon petit, j'aime pas gagner arrêté à non, mais moi, m'aller sous loi et m'aille référence loi. Si quelqu'un qui voulait chercher loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale, qui était paraît dans le moniteur numéro 103, 28 décembre 1994, et qui sont Internet là. Qui sont Internet là, et moi, je crois que tout le monde est capable de consulter. C'est la référence fondamentale qui dit rôle avec responsabilité directeur général de la police là, qui c'est principale autorité la police là, la principale autorité en charge,
Et puis maintenant, il travaille, comme tout le monde connaît, sous tutelle ministère de la justice. Et puis, bon, maintenant, c'est SPN qui sont organes politiques, puisque la police, là, quand même, ils sont organes d'exécution, ils pas abjérés. C'est pas lui-même qui prend toute décision pour tête lui, mais le rôle du CSPN, son rôle stratégique, par exemple, si y a des amis qui peuvent acheter, si on compte on côté pour nous concentrer plus force, si gagne pour faire recrutement parce que effectif là et pas qu'à répondre. C'est des questions stratégiques, mais la question de gestion au quotidien de bagaille, de sécurité président, de bagaille, on va comprendre pour mon directeur général de la police. Et puis, il y a des corps dans la police, là, pas aucune autorité sur eux, il pas dirigeant en personne. Moi, je prends l'exemple du premier ministre, là, je pas dirigeant le ministère, le commerce, etc. Mais, ou bien, une responsabilité de administration à poser, même si la responsabilité est personnelle, et il y a des côtés où obligé d'intervenir pour dire, bon, stop là, ou bien camper là, par exemple. Je songeais que, pendant que le premier ministre, il y a un seul cas dominé, c'est obligé de demander de démissionner parce que tu as un problème, un passeport République dominicaine, bah, comme ça, bon, qui te semblait le tomber sous Mardi responsabilité 27 ministre là, bon, février l'État, 2024. bon, Bonjour, vu les rapports bonsoir qui viennent, même tout prendre le décision monde. ça. Deuxième sortie de la rubrique invité du jour. Merci d'être au rendez-vous. Matin, moi avec Maître Samuel et Madister, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fondation J'éclairé FJKR, Maître Madister. Bonjour, bonsoir, nous comptons gagner au matin. Bonjour Madame Blom, bonjour à toute auditrice et à tout auditeur Radio-Vision 2 millions. Moi-même, tout me content avec nos matins. Et nous avons commencé par ordonnance Jules Voltaire sur l'assassinat Jovenel Moïse, mais avant de comprendre vous souli et question à poser là, où c'est avocat, il y en a ou plusieurs et monde qui accusé dans le dossier ça? Moi, allons dire, moi, c'est avocat de mon. Ou bien trois qui étaient concernés par le dossier ça, deux mondes qui ont été inculpés, qui étaient arrêtés, qui étaient qui en prison depuis 31 mois, et m'étaient accompagnés tout dans le dossier ça, le directeur de l'immigration, du service d'immigration et de l'immigration. OK. Et mon salon et je dis à qui soyons par rapport à l'ordonnance qui publie. Et monde que m'a défendu, Reynaldo Coventon et Dominique Covin, ils ont bénéficié d'un non-lieu dans le cadre et ordonnance qui se tient. Ils ont libéré. Voilà. Et Kounia là, on a vu sous ordonnance 51 monde que juge a voyé devant tribunal criminel pour complicité dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Première observation, M. Madicien, c'est que la liste des gens fait jaser. Comment? La liste, c'est-à-dire gagner et un pile de commentaires, un pile de parler, un pile de critiques, Ah bon? Oui, mais sur liste là. Ah, oui, tu dis la liste fait jaser. Oui, oui, Fait jaser, oui. oui. D'accord, oui. Mais c'est normal, oui. C'est normal parce que, pour une raison bien simple, en Haïti, nous pas gagné la pratique de l'aveu, la pratique du plaider coupable. Et c'est la législation noyée, tout, ah oui. Par exemple, aux États-Unis, justice là, loi, ils permettent que il y ait une coopération entre accusés et système étatique là, côté offrir mon aux diminutions de peine pour collaborer, pour avouer et pour montrer volonté, pour le repentir sur infraction qu'elle fait. On bagaille qu'elle te doit prendre 30, 40 ans en prison pour lui, le fait qu'elle fait aveu, il a réduit la 10, 15 ans. Donc, ça permet qu'on joigne un pile cadavre, parce que c'est ça où est le plaidé coupable aux États-Unis. Alors qu'en Haïti, nous pas ça. Donc, généralement, en Haïti, les cas extrêmement difficiles pour un monde qui participe dans un crime, qui font un crime, et puis pour l'admettre, pour le dire oui, il me fait le vrai. Donc,
les Haïtiens, généralement, pas plaider coupable. Hein? Donc, les Haïtiens contestent toujours, même au-delà de la condamnation, les Haïtiens continuent toujours à contester. Donc, l'organien, on redonne à ce côté, 51 monde qui ont inculpé, qui ont voué et jugé. Donc, au moins, on met 51 contestataires. Donc, plus c'est partisans, plus. Donc, c'est normal pour gagner toute contestation, ça, compte tenu de l'ampleur de l'ordonnance et des quantités monde que l'ordonnance-là est inculpée. Oui, vous trouvez ça normal, moi-même. OK. Et vous trouvez ça normal? Et qui vont analyser documents lui-même. Qu'on y a, et c'est ça qui différence là. Moun qui a contesté, moun qui a parlé, dans un pile critique contre ordonnance là. Critiquer en ordonnance dont juge d'instruction, lui demander en démarche intellectuelle qui est supportée par une culture juridique. Pour gagner un degré de raisonnement juridique pour analyser et critiquer l'ordonnance. Parce que, si vous n'êtes pas d'accord avec l'ordonnance, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans la radio que vous allez infirmer le bout. C'est devant d'autres juges, devant l'autre tribunal. Et devant le tribunal là, ce n'est pas émotion que vous allez exposer le juge là, c'est argumentaire juridique pour venir. Pour montrer qui côté juge d'instruction empêché. Par exemple, est-ce qu'elle a violé la loi? Est-ce qu'elle a fait des interprétations de la loi? Est-ce qu'elle fait mauvaise application de la loi? Est-ce qu'elle a dénaturé les faits de la cause? Autrement dit, elle prend des faits, elle fait ou dit des bagailles qu'elle n'a pas dit. Donc, c'est une analyse technique que critique ordonnance là, et même malheureusement, pas joué un raisonnement juridique qui supportait un pile monde qui a fait des critiques contre ordonnance. Au plus, ouais, c'est l'émotion. Maintenant, et même monde des fois qui est culpé dans ordonnance là, qui est intéressé, là, ils parlent eux-mêmes et sont imprudents parce que l'on est culpé. Et non dossier criminel la logique voulait que ou quitter avocat ou parler pour vous parce que vous même ou avec émotion et manque de connaissances juridiques ou parole ou capable entraver travail avocat ou quelqu'un pour le faire pour vous puis devant l'autre juridiction comme si l'entendez mon yo parler c'est comme si vous t'a dit reproche qu'on t'a fait juge là. C'est comment le fait quitter Mounsa dans la rue. C'est-à-dire, Jean Mounsa parlait, ou il y a des arguments Mounsa bail qui montraient que l'élite devant le juge a été avec elle, il était avec elle. Et c'est quand ils sont critiques la présentation contre l'ordonnance. Donc, moi-même, et ces démarches-là, moi, je voulais faire avec auditeur, matin, on analyse juridique de l'ordonnance. C'est ça. Pour moi-même, ordonnance là représentée. Mais, Maître Samuel Magister, je voulais commencer à voir là, c'est vrai, il y a des gens qui sont inculpés dans l'ordonnance là, qui ont même contesté dans les médias, pour comprendre ce qu'on dit à la fait que ça part, ça plus desservi qu'autre chose, documenté dans la rue, même dit dans la rue, elle était publié sur les réseaux sociaux, mais nous apprenons d'ailleurs par avocat, il y a un monde qui est inculpé dans le dossier, c'est Martine Moïse, la veuve du président Jovenel Moïse, que juge là, lui, est dans ce dossier et parquet Port-au-Prince et seulement mercredi dernier, mercredi 21 février. On regarde qui ça qui t'a fait après, à commencer par le chef du parquet lui-même. OK. Première précision, c'est pas 21, c'est 22. Dossier à transmettre. Deuxième précision, c'est pas le juge là. C'est le greffier du juge. Parce que qui s'est privé? Une fois que le juge signe son ordonnance, le juge est décisif du dossier. Il va gagner pour le faire. Qu'on y a,
c'est greffier juge là qui pour faire l'inventaire du dossier et qui pour transmettre l'ordonnance et l'ensemble du dossier au parquet. La potel bay nan greffe parquet a et greffe parquet la li gon cahier la greffe parquet a noté pour li nan cahier par là tel jour telle date à telle heure recevoir tel dossier de tel juge d'instruction. Donc c'est pas au juge de transmettre le dossier, son dossier au parquet, c'est à son greffier. Donc les fois le juge la fait une décision lui-même lui finit. Donc le greffier du juge effectivement je peux confirmer a transmis le dossier au parquet le jeudi 22. Oui. Maintenant une fois que parquet a li gagné dossier a que yo transmettre li, la loi dit commissaire gouvernement li gagne un jour franc à partir de la réception du dossier s'il veut faire appel ou le faire appel de l'ordonnance. Donc délai par là commence à courir à partir de date que vous communiquez le dossier, que vous remettez le dossier, que vous portez le dossier à Bali dans le greffe. Et c'est ça que fait. Délai là. Donc, s'il fait appel en dehors du délai, appel l'IA irrecevable. Donc, commissaire gouvernement, l'aile recevoir dossier, l'a gardé s'il voulait faire appel dans le délai ça. La langue greffe ou d'appel là, et tribunal là, ils font déclaration d'appel. Et parallèlement, la multiplier copie ordonnance là, la rédiger en acte qui sont un exploit, ou il est de signification. Côté la baille en huissier qui n'a pas qu'elle là, ordonnance là, copie ordonnance là, pour le porter par chaque avocat. Et chaque inculpé qui était dans le dossier, c'est ça où les significations. C'est des deuxièmes démarches que le commissaire gouvernement a gagné pour le faire. OK. Parce qu'il y a une ordonnance 21 ou 22. Non, ou du 22 février, ma présence du 21, ou même cité, avocat et madame et Jovenel et Moïse. Non, mais corrigé pour du 22. OK. 22 février. Samedi, bon, là, c'est la vérité. On va attendre qu'on dit l'autre, ça, l'autre, non? Oh, mais t'as dit ça. D'accord, on va t'as dit ça. On va dit ça. Non, mais nous, 22. Vous êtes aussi là, même qui dit ça, oui. OK. Mais, qu'on est là, qui s'agit, je l'ai fait. Est-ce que vous êtes au courant, il fait appel ou pas? Est-ce que... OK. Ce n'est pas juge là, c'est le commissaire. Oh, le commissaire du gouvernement, pardon. Oui, commissaire n'a pas fait appel. Dès le commissaire a gagné pour le faire appel, l'a fini vendredi. Okay. Et il n'a pas fait appel. Et mettre pas distinguer un certificat comme elle vous a tout. Okay. Il dit que le commissaire, de 22, de recevoir dossier à 24, le délai est fini. Hein, l'engresse tribunal là, nous garde cahier déclaration d'appel. Yo, nous parlons que le commissaire gouvernement Port-au-Prince est venu faire déclaration d'appel dans le dossier. Comme vous êtes avocat de deux personnes qui ont été accusés dans le dossier, est-ce que vous signifiez l'ordonnance déjà? Je vous dis. Et démarche que je vais prendre dans le paquet, c'est comprendre que la signification a fait incessamment, peut-être je dis à même. OK. Et le commissaire gouvernement, chef paquet, il passe appel, ça veut dire qui ça? Comment le grand public là capable de comprendre des décisions sans trop? Ça veut dire qu'il n'y a pas de grief contre l'ordonnance. Il n'y a pas de contester l'ordonnance. Il a accepté la décision juge là. OK. Et qu'on y est là, les inculpés, qui ça capable de faire et à partir de décision et chef et parquet, combien de temps yo gagné pour yo agir pour yo prendre décision à partir de là que yo signé à partir de là que yo porté ordonnance en bas. Par exemple, jodi a gagné inculpé
qui n'a pénitentiaire national qui a recevoir ordonnance là. Une fois que vous recevez ordonnance là, vous avez 10 jours francs pour vous faire manifester, pour vous faire appel, pour vous dire s'il y a contesté ordonnance là. Délai pas commencer courir vous même à partir de date que vous recevez ordonnance là. Délai pas à commencer à partir de des greffiers juge d'instruction à communiquer greffe paquet. Donc, dès les inculpés ont commencé à courir à partir de là, ils ont même signifié l'ordonnance. Là, ils ont reçu l'ordonnance. Et 10 jours francs, vous avez dit qui ça? Parce que vous n'avez pas de francs, non? De 10 jours, tout simplement. Ah, 10 jours francs, vous avez dit 12 jours ordinaires. Jours francs, en droit, c'est jour qui dit que dès les jours a commencé, que bon, a commencé, à jour de l'air fini, il pas compté, il pas considéré. Donc si me dit un jour franc de le 20, m'pa compter 20, un jour c'est le 21. M'pa compter 22 jours fini, donc il vient 3 jours ordinaires. Donc jour franc toujours gagner 2 jours ajoutés pour joindre nombre de jours ordinaires. Donc 10 jours francs, je dis 12 jours ordinaires. Ok. Je retourne avant là, maintenant, ma question, sur la critique qui fait sur le juge-là. Et là où il est ordonné, ça fait 22 pages quand même. Et quelqu'un qui dit, mais le juge-là, il dit que c'est des proches de Jovenel Moïse qui est assassiné. Même de ça, il semblait être dans la planification. C'est ça, c'est que l'ISLA, il y a un pile commentaire qui fait sous lit. Et ou même, maintenant, je point de vue sous ça, commentaire ça, comment ou même, ou recevoir, qui sont ou même, ou comprendre, est-ce que le monde qui dit ça, il y en a erreur. Bon, premier là, c'est que, faut que nous mettions en tête, ce n'est pas la première fois dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, que proche monde a participé à l'assassinat. Ce n'est pas la première fois qu'Aïn a tué Frère Labelle depuis le jardin d'Eden. Ce n'est pas la première fois petite a assassiné papa. Ce n'est pas la première fois que madame a assassiné Marie ou que Marie a assassiné madame. Donc, dans les faits criminels, le proche du monde pas empêcher que le capable impliqué, que le capable participer au crime d'assassinat qui fait contre lui. Donc, laisse arriver les montrer en forme de cynisme de la part de monde qui participe dans le crime là compte tenu de proximité que le gagne avec victime là, mais émotion qu'a faut dire ça pas ta doit, mais c'est pas un bagage qui est tourné qui va surprendre personne, encore moins un homme de loi. Donc nous vivons ça dans l'histoire de grands crimes de l'histoire que ou conjoint de monde qui très proche au monde qui participe à l'assassinat, ça arrive tout le monde. OK, mais pour monde qui était vise événement vise assassinat et qui ouais dans qui contexte, dans contexte où était grande opposition pure et dure de Jovenel Moïse, appel à la violence, et les partisans de Jovenel Moïse, ils ont même dit mais bien crime ça et préparé bien avant yo assassiner président physiquement, et peut-être des mondes qui s'est baillé aux promissions et autorisé c'est ça assassiner caractère président. Non, je pense que ça c'est l'émotion. L'émotion dans le sens que c'est pas parce que j'ai un discours violent contre quelqu'un que j'ai la capacité pour moins faire au mal. Et premièrement, deuxièmement, le fait que mon discours violent contre un monde,
ça capable permettre l'autre monde qui gagne velléité pour faire monde mal, il fait mal, il fait diversion, il a une responsabilité à son homme, ça arrive. Donc l'enquête judiciaire, et c'est ça que le fait Livine, et c'est ça qui a fait nous-mêmes nous considérer l'ordonnance là comme une avancée, parce que Livine mettait fin aux uns, il mettait fin à émotion, il mettait fin à papotage, à... donc Livine avec des faits, il établit une vérité. Donc, monde qui veut rester dans l'émotion, il doit arrêter. Mais depuis le 25 janvier, dans il y a une évolution dans le dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a une vérité judiciaire qui est établie. Il y a une ordonnance, il y a une décision de justice. Il y a 51 personnes qui sont indexées, qui sont inculpées officiellement dans l'assassinat. Donc, c'est après évoluer à partir de là. Donc, tout le reste, c'est de l'émotion. Ok. Donc, même si il y a des gens qui voient que c'est un bagage qui dirige politiquement, même si il y a un homme inculté, c'est Renald Liberis, proche collaborateur, et Jovenel Moïse, il parlait de torchon judiciaire parce que les papes, bon, je vous ai dit que les papes présentés devant, les papes, mais bien que M. Liberis, il dit c'est faux. Et puis, voilà, les retrouver comme inculpé. Non, les retrouver comme inculpé, le capable de dégrief. Peut-être que ça l'a dit, le cas de raison. Mais dans le coup d'appel, vous l'avez dit, il va nous dire, non? Dans le coup d'appel, vous l'avez présenté grief lio pour grief lio analyser et juger. Ça arrive tout le temps. Que y a des juges d'instruction qui rendent une décision contre un monde, les allant appel, appel cassé, appel estimé de. Ordonnance ça et charge ça n'est pas suffisante, indice ça n'est pas suffisant, et puis l'infirmé l'ordonnance, ça arrive. Donc, c'est pas une catastrophe, c'est pas. Donc, ça veut dire que. C'est confirmé ou infirmé ordonnance là en appel, sous tel inculpé ou particulièrement inculpé pour citer. Non, pour moi, ce n'est pas un problème pour le dossier en soi. Oh, mais son, on dit que c'est pas une catastrophe, mais par exemple, lorsque non, et madame Jovenel Moïse, parmi inculpés, on connaît que l'était dans la même chambre à Marie le jour de l'assassinat, ou le soir de l'assassinat du président, nous tendait des déclarations, etc. Mais, j'aime faire une émission avant, et l'homme était à parler de Martine Moïse, et puis, vous avez dit non, vous pensez que lui-même, dans le temps, passait de témoin à inculpé, ou même vous avez déjà, où est-ce que ça a venu? Bon, comme d'où? Moi-même, je suis un technicien qui est capable d'analyser les choses et qui est capable d'émettre des hypothèses plausibles. Là, on a un crime qui est fait. Ou pas fait pour écarter aucune hypothèse dans la recherche de la vérité. Et me songe de dire ça dans le micro, oui. 8 ou 10 jours après l'embon Jovenel Moïse, me dit crime ça, pour ne pas écarter aucune hypothèse. Aucune. Faut pas écarter hypothèse que proche collaborateur qu'a assassiné. Faut pas immédiatement braquer pour dire c'est l'opposition. Ça n'a rien qu'empêcher que proche collaborateur participer. C'est tout ça qu'on vivait. Si elle était faite dans les temps, elle l'a fait encore. Donc, moi-même, je n'ai écarté aucune hypothèse, premièrement. Deuxièmement, je regarde l'événement avec des yeux de technicien. Là, on crime fait. Il y a 3 notions pour considérer. Première notion, c'est la notion de trace. Par contre, le crime parfait n'existe pas. Par aucun criminel qui est capable de faire un crime sans laisser de trace. Techniquement, en matière d'investigation criminelle, c'est ce qu'on dit. Ça, les traces là,
c'est toute marque, toute empreinte, tout vestige que criminel l'a quitté sur les lieux du crime, il est capable on son, capable on voit, capable on image, capable on numéro de téléphone. Nous songeons après l'assassinat de professeur Dorval, quelques mois, 5 ou 6 mois après, nous avons discuté avec un enquêteur canadien et puis m'a expliqué le crime. Lui, il dit, mais est-ce que professeur a gagné internet la caille? Il me dit oui, il a gagné. Il dit, est-ce que la police te prend un serveur à l'origine? Il me dit non, il n'y a pas de problème. Il dit, gros grave erreur. La solution du crime était dans le serveur. Il me dit comment? Il dit, mais tout téléphone assassin, aucun assassiné mettre là, serveur à numéro théorie, il y a enregistré. Donc, mais trace ça, il était capable de remonter. Ouais? Donc, il y a les traces. Donc, et tout technicien, tout policier investigateur, tout juge, tout avocat qui connaît dans le droit pénal, comme ça. On y a. Il y a plusieurs étapes dans le procès pénal. À part le niveau de la police, le niveau de la poursuite avec le commissaire du gouvernement, l'enquête préliminaire avec le juge de paix, vous avez le niveau d'instruction. Le juge d'instruction, quelle est sa mission? La mission du juge d'instruction, c'est de rechercher les indices. Qui ça indicie? C'est cette ratio tournée indice. Autrement dit, comment passer de trace à indice? C'est la mission du juge d'instruction qui est différente de la mission du juge de la juridiction de jugement qui lui-même s'est passé de indice à preuve. Le juge d'instruction ne cherche pas l'indice. Donc, il va même mécanisme intellectuel de réflexion par rapport à juge du jugement. Il n'y a pas même bien avec la police qui a seulement constaté les faits, qui a rassemblé, qui a voyé au juge d'instruction. Le juge d'instruction, lui-même, l'a interprété fait, l'a transformer certaines traces en indices. Et la Cour de cassation, Madame Bonhomme, baille une série d'éléments que juge d'instruction, les présentés devant l'État considéré ça comme indice. Par exemple, la Cour de cassation dit le mensonge est un indice. On monde qui vient dans dossier criminel et pour bailler un mensonge sur la présentation des faits du dossier, pour le juge d'instruction, ça suffit pour le voyer au jugé. Ou pour le condamner, non? Mais ça suffit. Exemple. Ou dit juge d'instruction, Jovenel Moïse mourit dans une chambre où tu es là ou même où tu es en bas cabane là. J'ai là aller le wop, li wè ka bon nan wop, pa ka antre en bal mensonge. Et puis ça suffit, c'est un indice. Ça suffit pour le voyer au juge. C'est la Cour de cassation qui dit le mensonge est un indice. Ou dit juge là, ou prend 8 balles. Juge là garde nous ou non chambre, 4 5 mètres carrés. On balle 5.56 mètres. Si on seul balle bon non pointe la racher pointe là. Ou dit nous prend 8 balles mensonge. Juge l'a dit indice. Maintenant, la contradiction, la Cour de cassation fait un indice. Si le juge révèle dans les propos qui sont présentés qu'il y a une contradiction, eh bien, le juge est capable de décider, mais ça, c'est un indice pour me voir au juge. Ou pour me condamner. Ou pour aller expliquer tête ou pied devant la juridiction de jugement. Maintenant, le juge la contradiction, ou elle fait le compte ou la suite. Juge la besoin d'entendre ou pas j'en venir l'eau ou marron, ça suffit. La Cour de cassation, il dit la suite est un indice. Ça suffit pour le juge d'instruction. Niveau au juge. La présomption, juge la gagne le sentiment que enquête ça la peine ou on participe à ça. Ça suffit pour le juge. C'est pas pour nous comme ça. C'est la Cour de cassation. Un bon arrêt qui dit ça. Et mon dernier arrêt, et cassation en 1988, cassation dit tout fait
positif ou simplement probable suffit pour le juge d'instruction pour le transformer en indice. Par exemple, on sait présomption. Par exemple, au chef de la police, président Relo dit en difficulté. Ou pas arriver le mourir. Comment on fait pas arriver ou bien comment on fait arriver en retard? Juge d'instruction a analysé l'autre recevoir appel là, de qui délai, quand on est sorti, comment on fait pas arriver? Est-ce qu'on pas arriver volontairement en retard? Qui itinéraire on suivre? Ça suffit pour le juge d'instruction, pour la présomption de participation dans le crime-là. Indice, il faut le juger. Donc, autrement dit, techniquement, le juge d'instruction, et l'elle présente indice, l'elle lui-même, lui transforme fait, tracio, macio, signo, interrogatoire, témoignage, en indice, la loi fait obligation pour le dire ça, pour le motiver décision. Ça va le permettre que Mounio inculpe yo et tribunal supérieur yo capable d'analyser motif que juge là te prend yo. Lè m'gade ordonnance là, m'gade tout inculpé yo, juge là motive décision. 122 pages, plus de 500 actes d'instruction. Lè m'gade Haïti, madame bonhomme, c'est le règne de l'impunité. Quantité crime qui fait Haïti, combien d'ordonnances ils rendent déjà? M'passe tout avocat Port-au-Prince. T'as remédié l'ordonnance sur l'assassinat d'Orval pour moun t'a critiqué tout, mais l'ordonnance n'est pas là. M'pense que dans Radio Vision 2000, nous t'as remédié l'ordonnance pour Diego Charles. T'as des moun qui t'a critiqué, des moun qui t'a arrêté, t'as dit c'est pas vrai, des moun qui ok, mais l'ordonnance n'est pas là, critiqué, c'est déjà une avancée vers le procès, vers la manifestation de la vérité. Mon internet du clair yo tout en même jeune notre ordonnance mon massacre la saline yo mon depuis 2018 il y a son ordonnance mon massacre plein du cul de sac yo massacre Kafou Fey massacre Tivier la Tibonite massacre Lyoncou massacre les Haïti n'a plus le criminel madame Boulom mais très peu de justice très peu d'ordonnance très peu de jugement mais dans le cas de Jovenel Moïse, il y a une ordonnance. Qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, que mon apport. C'est une avancée. C'est une avancée. Non. Ouais, les enfants, par exemple, de la famille des enclos, je t'en remets une ordonnance, oui. Mais pas rien. Donc, or, dans le cas du président Jovenel Moïse, encore que, où il y a quatre autres juges qui passaient sous dossier, hein? Ou c'est qu'on juge même, c'est le scandale, ou t'as dit, la prend quoi boule, t'as des mouns, il faut greffier, là, c'est chantage, le quoi boule libérer moun, c'est scandale, ou qu'on juge qui prend dossier, hein? Par quel scandale, il traite dossier dans la sérénité, et puis il prend une décision. Je dis que ça, c'est une avancée. Ça, faut nous apprécier ça. Nous dit, Haïti, c'est comme si le système judiciaire haïtien, depuis ces gros dossiers, il n'est pas capable, quand nous voulons chercher juge l'autre bord, quand nous voulons chercher, etc. Eh bien, me dit, au moins là, le système nous montre qu'il y a une capacité, qu'il a traité un gros dossier. Il y a un juge haïtien qui prend une ordonnance dans le dossier de Jovenel Moïse. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis que c'est une avancée. Bah, dit que l'ordonnance n'est pas parfaite, non? Je dis que c'est une avancée. Et c'est un point positif dans la recherche de la vérité. Voilà. Mais avant c'est ça, il y a un bagage que tout le monde, les Haïtiens et les proches parents de Jovenel Moïse, en droit d'attendre, c'est-à-dire qui est-ce, qui moun, qui finance, c'est-à-dire en manière au pluriel, qui finance les criminels, parce que nous, en plus d'exécutants, et sous liste là et quelques monde qui pas qu'à participer dans la planification. Oui, OK. Maintenant, là on touche du droit ce que j'appelle la faiblesse de l'ordonnance. C'est-à-dire que le bon crime qui fait le juge d'instruction enquête. Je gombo gens utiliser là
la question et cassation utilisée tout la question recherche d'indice là c'est l'expertise. Le juge est assisté dans sa tâche par des techniciens de la scène des crimes, des officiers de police judiciaire, des mecs qui ont compétence pour venir canaliser, qui pour faire empreinte, qui capable d'analyser, ou capable même faire ADN, capable expliquer. Et là, des monde qui capable analyser cette traçabilité des fonds qui pour analyser l'utilisation de l'argent. Par exemple, on moun vini louer une machine sous trace pour participer dans le crime. Nan, que le juge est capable d'exploiter pour transformer en indice. Mais quand il joue une cobre pour louer une machine, ça, son autre trace. On y a, pour juge là, cette traçabilité des fonds, yon entité qui l'a pour aider en Haïti, c'est le Bureau des Affaires Économiques et Financières. C'est le BAF. Et BAF, et juge a demandé un rapport, c'est la commission rogatoire. Et BAF font un rapport, oui, moi le rapport à toi. Et le rapport de BAF est léger. Il montre faiblesse, structure ça, qui toutefois, sont toutes nouvelles au niveau de la police. Et qui pas mettait à la disposition des juges là des éléments suffisants pour ta remonter s'il y a de monde qui finance les crimes. Et c'est une faiblesse, même pas imputable au juge, mais au BAF, à mon avis comme technicien. Même Abdou, Madame Bonhomme, ça m'a dit que ordonnance là, ou bien que un juge là, le fait que le gars a une faiblesse là, c'est pas bon, non? Ça m'a dit ça, non? Par exemple, quand aux États-Unis d'Amérique, yo kon juge des moun yo condamné. C'est blessé qu'on constate dans dossier haïtien, nous venons aux États-Unis. Le tribunal américain pour remonter s'il y a moun qui finance quoi. Non? Parce que j'ajoute et maintenant à la décharge de BAF, j'ajoute que la traçabilité des fonds en matière de crime à travers le monde, c'est une tâche difficile. Ce n'est pas facile du tout. Donc, dans le niveau bafié aujourd'hui, niveau système judiciaire haïtien, et peut-être même niveau système judiciaire américain, nous ne devons pas du jour au lendemain capable de remonter toute filière de fonds qui étaient utilisés, qui quantité le déier, côté le sorti, qui quantité le monde. C'est une autre question qui n'est pas résolue effectivement dans l'ordonnance, ni dans les décisions prises dans le cadre de ce dossier par la justice américaine. C'est l'épine dorsale, c'est la pierre d'achoppement, le point faible là, de l'ordonnance. Et non, maintenant. Et je vais retourner sur le cas et veuve président Martine Moïse. Et dans l'ordonnance, juge là, il fait état de déclaration de Lionel Valbrun. Monsieur Valbrun, je m'en rappelle, c'est secrétaire, secrétaire et général Palais National, et sous Jovenel et Moïse. Mais ce débat est extrêmement grave, genre le président Jovenel Moïse n'a fait rien pour nous, c'est que Claude Joseph, ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, lui-même est entré là pour faire élection, il a dit qu'il est entré dans le bureau, et puis il a fait élection pour que moi-même, le cas Martine Moïse, vienne. Et président, bon, c'est combien que nous prenons de pouvoir, mais est-ce que nous ne pouvons pas de attendre que le juge là, lui fouiller un peu plus sur une déclaration extrêmement grave? Bon, dit, comme journaliste, tout le monde a fait enquête, c'est qu'on est de côté là, ou capable de chercher, fouiller un peu plus pour ouais, est-ce que c'est vérité? Mon ça et t'as raconté là en plus des bagages extrêmement graves que dit sous madame là. Et monsieur Valbrun, madame Bonhomme, c'est sous la foi du serment, oui, je l'attendais. Voilà, ça veut dire ça veut dire que le juge l'absent d'un témoin
l'étendue sous la foi du serment, toute sale vie qui est inexacte, qui est incorrecte, est capable de constituer des faux témoignages, et c'est moins, lui qui apprend même peine que mon y a poursuivi pour être faux témoignage là. Donc, une fois que vous n'avez pas établi son faux témoignage, le juge, il fait pour faire foi au témoignage. Le témoignage, eh bien, la loi prévoit tout, que au niveau du cabinet d'instruction, il va considérer comme un indice, comme l'interrogatoire de l'inculpé. Et, nous avons même allé plus loin, le témoignage va considérer comme preuve au niveau du tribunal. Mais le juge, donc, attendez. Deuxièmement, mais si vous regardez l'ordonnance là, vous apprenez que vous avez inculpé que le juge là, Tandeo, Félix Badio, il vient confirmer le témoignage Valmoyen pour le juge là. Et c'est là, c'est le juge là considéré que les charges sont suffisantes là. Le témoignage de Valmoyen, vous tendez sous la foi du serment, vous recueillez sous la foi du serment, il y a des faits qu'il établit, qui montrent des actes qu'il déposait pour protéger le bureau du président, pour le protéger des pressions qu'il a recevoir, et déclaration le fait, pour le confirmer, par d'autres déclarations, en tout cas, par déclaration, il y a un principal inculpé dans le dossier, Joseph Félix Badio. Pour moi, le juge, c'était amplement suffisant pour moi, pour le juge, d'utiliser ce témoignage comme indice. Mais le juge là était capable d'établir que ce soit Badio ou bien M. Valbrun, qu'il a menti ou pas. Par exemple, c'est juste. On a vérifié avec les compagnies de téléphone qui n'ont payé. Est-ce que tu as des appels qui t'ont passé? Combien de temps? Est-ce que si tu es capable de capter les conversations, c'est-à-dire qui s'est dit dans ce salon, regardez pour si, par exemple, c'est deux jours avant, tu te dis, deux jours avant ou bien cinq jours avant, parce que je me vois tout de moi, mais est-ce que madame Nan était venue dans le palais à vraiment pour déménager le bureau? Des caméras, je suppose, des caméras dans le palais national, si vous avez aller retour. Madame Nan, elle prend la machine, ou bien quelqu'un qui avait un capot de document là. Ok. Ça, madame Bonhomme, ok. Le juge, par exemple, vous dit, mais soit tapé. On l'a juste d'instruction, t'as qu'à dire, il a fait ça à tout. L'instruction, c'est une personnalité. Il y a des faits qui présentent devant un juge, il n'y a pas aucune importance. Et puis, même fait présenté devant l'autre juge, qui lui même ballon importance capitale. Le juge pas oublié, je dire, pour passer de la trace à l'indice, c'est un raisonnement, le raisonnement du juge. Qu'on y a, juge là capable d'estimer lui-même et cassation de dissatoire. Le juge n'est pas tenu d'entendre tout le monde dans le cadre d'une investigation criminelle de poser tous les actes. Il suffit qu'elle estime que l'indice qu'elle joigne est suffisant pour lui, pour le voir à juger. C'est lui qui estime si ça suffit. Est-ce qu'elle a besoin de l'autre? Non. Peut-être qu'elle n'est pas capable de s'il te gagne l'autre, mais lui-même, il estime qu'elle suffit. Et la loi permet qu'elle fait ça. Qu'on y a, est-ce que Sodia pas capable toujours continuer à faire? Oui, pas devant la juridiction de jugement. Si l'un dit ça, que vous avez retenu contre moi, on a établi que c'était on fait que c'est manipulé. Eh bien, c'est ça, c'est l'avantage du procès. Oui. Dans le cadre de débat contradictoire public, m'a vini avec d'autres faits pour m'anéantir, fait ça yo, charge ça yo que t'es retenu contre moi pour me pas condamner. Mais pour le niveau du juge d'instruction, il recherche seulement des indices et non des preuves.
ça suffit amplement, amplement, pour le voyer au monde jugé. Ok. On vient ici sous ancien premier ministre Claude Joseph. Je me rappelle que ces derniers temps, il y a un extrait de l'entrevue que nous avons fait avant, et côté où tu as dit qu'il y a des questionnements sur l'attitude de Claude Joseph, par exemple, juste 14 heures après l'assassinat de Jovenel Moïse, il présentait le directeur de la police de Dole, et puis il dit que il y a un contrôle situation. Il dit, mais tout est que tu as pris toute information, ça, qui ça, tu connais. Et Mounier a râlé exprès ça ces derniers temps. Et puis, le Claude Joseph, lit parmi les inculpés. Autant de, parce que bien sûr, il dénonçait ça, il dit ce travail et politique, il parlait de diversion, en tout cas, et parti politique, il y a, et d'elle, bon, il dit soutenir la juge là. Tu as fait même bagarre là? Bon, il dit ça, hein? Ou même pas même poser question. Peut-être que je me place juge là parce que je n'ai pas la capacité de juger, madame Bonhomme. Juger est tellement difficile, mais pas juste ma capacité ça. Bon, capable avocat même pas qu'à juge. Oui, et moi hommage à magistrat parce que juger c'est pas un bagage qui facile du tout non. Mais moi même considère que pas qu'à juger. Mais ça me dit c'est que t'as raisonné moi-même. Parce que les bons crimes faits, il y a deux questions à poser. Et ça, c'est depuis Cicéron, oui, depuis l'Antiquité, qui, dans le cadre d'un procès qui a marqué les temps, qui a marqué l'histoire, pour la première fois, un jeune avocat de 25 ans, Cicéron, eh bien, posait la problématique de à qui profite le crime de la recherche de l'auteur d'une infraction. Donc, monde qui fait crime, non, ligon intérêt que la cherche. Donc, investigation criminelle m'a dit que mon technicien, il fait pour poser question à qui profite le crime. Et j'ai dit, ça c'est la première question. Hein. Deuxième question, hein, c'est m'ka vle son bagay. Mais est-ce que m'y a moyen pour m'fèl? Donc, si m'y a un crime qui fait, est-ce que m'y a moyen pour m'fèl crime ça? Et donc, m'da radio, par exemple, nous sommes paysans, l'Artibonite, kap goumè pou tè, en 1960, lè sa, ki jè moun goumè l'Artibonite pou tè, ki ak bâton, ak roche, ak manchette. O moun ki mouri, ton, se pa bal, yo pa ka vin mande yo pa ka vin arrêter me dit me tuer m pa gen moyen m pa kon tire paysan la Tibonite en 1960 pa gen zam dans la Tibonite en 1960 dans milieu paysan. Donc c'est ou bien n'est-ce pas un soldat ou bien un milicien autour de ma coute. Mais le paysan n'est-ce pas qui a planté qui dans jardin ça goumer pour ça ça moi c'est que la vie. Donc qui moyen. Les crimes faits, mon au président de la République, mourir assassiné. Mon qui assassiné là, il a un projet politique, effectivement. Il a voulu prendre pouvoir. Ou prend par exemple, un homme comme Samuel Do, qui est sergent de l'armée au Libéria, le fond coup d'État. Depuis ce monde qui regarde dans l'armée, elle tient tout de suite. Pour ne pas avoir aucune contestation, pour qu'on voit libre envers le pouvoir. Donc, si je tue le président, je voulais prendre le pouvoir, et qu'on a une campagne pour dire que je prends le pouvoir, même joie, eh bien, moi, je m'en sauter. Ça, c'est clair, c'est classique. Donc, mais même, je me dit, et je crois que c'est une question que n'importe quel sensé qui a posé cette question, comment se fait-il que le président capable de mourir le jour même, il n'y a pas joué personne. Nous ne pouvons pas oublier ça. Pas un monde qui ne fait aucune résistance pour Jovenel Moïse. Il n'y a pas une balle qui tire. Tout le monde qui a attaché à la sécurité, tous, ils ont eu un moment d'inattention,
yo te si t'en prend yo, ou bien yo pas gen bal, ou bien yo te gen blocus, ou bien yo pas arrivé, ou bien yo pas ka pran la bonne route. Tous ils ont eu une excuse pour yo pas arriver avant président mouri. Président mouri quand même. Donc, ce qui revient à dire à l'analyse des faits, dès le départ, il était impossible pour crime sa fête, j'en le fait là, pour moun qui proche Jovenel Moïse, pas là-dedans. Bah maintenant, pour me dire que non, mais impossible pour moun qui proche président, pas non crime sa, j'en le fait là. Impossible, absolument impossible. Maintenant, c'est le devoir du juge de rechercher. C'est le devoir des gens qui sont inculpés, leur droit de se défendre pour eux établir pour en ce qui leur concerne la vérité des faits. Il y a une autre information. Il y a une autre monde qui est connecté dans le crime. Il y a des monde qui est avec. Il y a une dire ça dans le tribunal pour étendre l'inculpation. Mais il faut qu'on procès qui fait, un procès public, pour que mon débat public et contradictoire qui fait, pour vous, c'est fait. Parce que l'autre bagaille qui te toujours attire attention, madame Bonhomme, moi-même. Sous Duvalier, vous gagnez le Duvalierisme, le mouvement. Duvalierisme. Sous Jean-Claude, vous gagnez le Jean-Claudisme. Sous Jovenel, ou pas de Jovenelisme, non? C'est la Jovenel mourir, oui. Ou vous gagnez des Jovenelisme. Comment fait le président vivant le besoin de Jovenelis, il ne pas joindre depuis qu'on le mourir. Donc, nous avons toujours considéré que le mouvement Jovenelis, là, un mouvement suspect lui-même. Et bien, ordonnant juge d'instruction, il vient confirmer que le jovenelisme, c'est du cynisme. Être jovenéliste, c'est être cynique. Je m'excuse auprès du professeur Doré, que le juge d'instruction attendait et qu'il considérait qu'il. Son est propre, même, ouais. Donc, peut-être qu'on adhère. Marie aussi, je m'excuse, mais le mouvement, c'est jovenéliste. Si l'on regarde l'ordonnance, on regarde ce qui se passe, eh bien, c'est un mouvement cynique. C'est-à-dire. Cynique, on dit, le mouvement jovenéliste cynique et suspect, mais c'est des mondes qui mettaient tête ensemble, anciens ministres, secteur général, pour y'en. Mandé justice pour le président Jovenel Moïse, son objectif, c'est l'objectif de ça. Mais qu'on y a là, dans qui sens? On donne ça, il n'y a pas de justice, mais j'ai fait un mouvement cynique. Son vérité, qui est établie là, jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Comment? Mais qu'on vérité qui dit que, affaire de Jovenel, il n'y a pas de justice pour le président. Des diversions, c'est affaire pour voir Négaré. Mm-hmm. Et pas oublier que les Jovenel mourent. Il y en a deux semaines après. C'est le mouvement qui a lancé la campagne électorale. Il a tué papa, maman, oui. C'est pas du cynisme. C'est à travers ici, oui, campagne commencée, il a tué papa, maman. C'est pas la justice, non? Mouvement journaliste, c'est pas la justice. La justice, là, c'est comme si c'était la direction, son appât, qui ont mettait devant pour le prendre pouvoir, pour le chasser pour le pouvoir. Il y a pas beaucoup de monde. Mais mouvement, c'est un mouvement politique qui besoin de prendre politique. Et mouvement, où nous, on doit se montrer, du vivant de Jovenel Moïse, c'est que plusieurs courants qui étaient dans un mouvement politique, ça, c'est qu'on lutte pour le pouvoir à l'intérieur du pouvoir de Jovenel Moïse. Et le président a fait les frais de cette prise de pouvoir. Mais il faut capable d'établir que ce n'est pas des mouns dans la population qui ont même dit ça, qui sont dans le mouvement, mais c'est des mouns qui sont aux côtés de Jovenel Moïse et ils ont même qui étaient derrière le mouvement. Ça. Parce que avant, c'est ça. Non, mais je m'a parlé de ça, de ça, je ne sais pas parler de la population. Non, affaire de monde qui est dans la rue. Hein? Affaire de monde qui est sorti dans la rue. Bon, j'ai juste mouru par les monde qui sont dans la rue, non?
Peut-être t'attends que des monde qui sorti dans la rue avec des bourgeois qui trop content que ça arrive. Non, pas quoi des monde qui t'attendent. Ah. Pas dire appel en tout cas pour demander monde. C'était le personnage qui décrit. Mais il n'y a pas eu d'appel à la population pour prendre la rue pour célébrer une réelle victoire. Il n'y a pas eu d'appel. Non, mais c'est pas n'a pas eu d'appel, mais des monde qui t'attendent ça. Non, écoutez, là, ça, c'est le procès d'intention. Ou abdim, est-ce que notre tête, est-ce que notre tel monde, il pas t'a souhaité ça, mais tout, n'a pas analysé des faits objectifs. Le fait objectif, il n'y a pas eu de leader de l'opposition à faire un appel à la manifestation. Oui, c'est clair. Non, c'est correct. C'est réel. Mais c'est un fait, ça, vous voulez. Monsieur, pardon, et Magister, moi, je doute tellement que j'étais présenté comme Jovenel Moïse, comme le personnage le plus détesté, le plus grand menteur du pays, etc., etc. Tout ça, ça va être difficile de mériter mourir, non? Non, mais. Vous dites que ça va être difficile de mourir. Population. Non, peut-être que j'ai le mot, il y a tout qui fait mourir. Yo campé y a regardé ça moi m'a analysé fait yo moi ouais président mouri pas gen moun prend la rue ni pas gen moun qui invité moun prend la rue son fait mais faut tirer tes sous Claude Joseph a toujours moi même poser et Claude Joseph c'est question que cette attitude et que tu gagné et les outils suspects alors que corps président Poco et même Fouette même et plus les dire contre citoyen expliquer que il était au courant de bagala il était pas fait et au conseil des ministres et que ce conseil des ministres c'est un conseil des ministres que il était prend décision et pour que ben lui-même il était prend bagaille en main. Est-ce que ça dit pas ta conscience? Bon, ça, le juge, je ne peux pas l'apprécier. Mais même si tu me dis ça, me constater. Je constate qu'ordonnance l'a dit, le monde qui vient tuer Jovenel Moïse, il y a là, d'ailleurs, qui a 3 mois, il y a 6 mois qui est entré en Haïti. Donc, c'était le gouvernement Jovenel Moïse qui était là, avec Claude Joseph. L'État a dépensé l'argent dans le service renseignement. Pas gagné un service de renseignement efficace qui établit que étrangers ça yo rentré, yo dans pays a et yo gen telle mission. Jusqu'à ce que président mouri. Moi dit et c'est là ça moun qui en poste là. L'a dit que le gain des informations, li connaît ses 28 mots, li connaît ses mots qui parlent espagnol, li connaît, etc. Moi, dit comment faire information ça au passé, ni pour t'empêcher président mourir. Son questionnement, oui. Son questionnement, pas plus de personne, non? Donc, son questionnement, c'est-à-dire que on était au pouvoir. T'es un ministre. Nous avons tout reine pouvoir dans main nous, tout agent dans main nous pour renseignement. Nous avons un contrôle ministère de l'Intérieur, contrôle frontière, contrôle des armes. Président en danger, un complot qui réunion à fait, mais ami réunion à fait. Complot mais... fait pendant des mois, yo arrivé, yo abouti à l'assassinat du président. Il y a une faillite de l'État, il y a une faillite des autorités de l'État qui est questionnable. Non, absolument. Ou bien sur ça, mais ordonnance dit nous pour que, en tout cas, sous base sous déclaration Badio et ordonnance dit nous que le président Jovenel Moïse c'est au courant de complot, à tel enfin que
Badjo, yote pre Badjo pour la infiltrer et comploteur yo, et puis le rivé puisque yo propose le poste de ministre de l'Intérieur, li change Kazakli. Non, pas quoi dire aujourd'hui, président. Non, c'était le ministre de la Justice. Non. L'homme tout ça, c'est pas la présidente de la Pervaille, c'est avec le ministre. Non, mais il dit, moi, je dis que président, c'est au courant de complot. Oui, mais c'est ce que nous analysons. Mm-hmm. C'est, qu'est-ce qui a été fait pour empêcher l'aboutissement du complot et qu'est-ce qui est fait immédiatement après l'assassinat du président? C'est de faire ça, on n'a pas analysé. Vous comprenez? Mm-hmm. Moi-même, je dis, moi comprendre qu'on juge capable de questionner ça, quand il était interrogé sur ce que j'ai fait là-bas. Coucou Niana, le dernier point, parce que nous parlons fini, c'est le cas, bien dit, le cas du directeur général et de la police d'alors, et Léon Charles, qui démissionnait de poste diplomatique, et pour lui dire, pour lui venir laver honneur. Liban ou entrevue, fleuve du 30, c'est vendredi dernier, mais quoi, ou t'en es, monsieur? Non. Bon, peut-être, Mabdou, lui-même n'est pas accepté et a fait le fait que Jouj a dit que les complices dans l'assassinat lui expliquaient que l'intérêt est tel, même dit un tel, tout à fait, travail, lui expliquait, ben là, mais faut que, ou t'as, bon, malheureusement, on t'attendait entrevue, hein, parce que pour être capable de faire un point de vue sous lui, mais parce qu'on a parlé de monsieur, on a dit qu'il y a des gens qui ont fait entrevue, ça plus c'est des servillons qu'autre chose. Parler de plusieurs bagages. Mm-hmm. Parler de plusieurs bagages, oui. Je me parler de plusieurs. Ok, bon, malheureusement. Et puis, on va attendre, on va faire un point de vue sous lui. Maintenant, il se n'a pas fermé la rue. Eh bien, ok, merci. Merci. Nous n'avons pas abordé notre point, mais il était important pour nous arrêter sur le dossier ça. Mais avant de faire, c'est une question là. Est-ce que, ou dit que ça c'est une vérité judiciaire, est-ce que ça a permis que, ça dit que vérité a, que nous joignons, lumière a fait sous assassinat et Jovenel Moïse, est-ce que ce soit l'engagé en considérant ça a fait aux États-Unis et ça a fait en Haïti sous dossier. C'est une étape. Mm-hmm. Parce que c'est le devoir aussi du juge d'instruction, c'est de monter le dossier du procès. Autrement dit, cette ordonnance, vous ne parlez pas de l'ordonnance là, mais vous pas oublier l'ordonnance là, il y a un ensemble de procès-verbaux, d'auditions de témoins, d'interrogatoires, d'infiltrés, dont bonnes rapports de perquisition, rapports de police, etc. Analyse des données téléphoniques. Tout ensemble de dossiers, ça, yo, c'est eux qui ont porté dans le tribunal criminel pour un cadre de débat public qui ont exploité pour pouvoir découler pour que la vérité établie dans le cas d'assassinat, ça. Donc, si ça fait, ils ne sont pas importants, ils sont avancés, on donne ça. Donc, il y a un dossier criminel qui est monté désormais, qui est établi, il y a un dossier qui est aujourd'hui au parquet de Port-au-Prince, eh bien, qui gagne ordonnance juge là, et qui gagne un ensemble d'actes d'instruction et d'actes d'enquête qui, autour de l'assassinat du président, qui est capable d'exploiter dans le cadre d'un débat public, dans un procès, pour que la vérité établie, monde qui mérite condamner, mais monde qui mérite libérer, pour libérer. Parce que nous ne pouvons pas quitter crime ça passé impuni. Nous non l'État démocratique. Ou capable d'accord avec un président. Ou capable pas d'accord avec un gouvernement. Ou capable de tomber. Ou capable de vous mettre contre lui. Mais cette histoire pour attenter à ville là, pour prendre ville parce qu'on pas d'accord avec lui, il faut que nous traçons exemple pour que ça ne pas répéter encore. Il n'est pas question qu'on assassine nos chefs de l'État, qu'on assassine nos présidents. Nous, on a fait débat démocratique. Nous pas d'accord, nous disons nous pas d'accord, nous va contester, mais on limite la contestation, hein, bon pas qu'on ne doit franchir, et
que ce soit des partisans, des proches du pouvoir ou des membres de l'opposition, quel que soit le monde qui est impliqué dans l'assassinat comme ça, eh bien, il faut qu'il sanctionne, il faut que la justice sanctionne, il faut le punir. Nous avons toujours voulu ça. Nous voulons ça aujourd'hui, à plus que jamais. Moi, toujours souhaité que l'assassin Jovenel Moïse, il juge, il condamne, il punit. Mais maintenant, le magistrat, peut-être si c'était où l'autre monde m'était gagné avec le matin, je vais te poser une question. Il y a deux commentaires que les gens qui ont suivi l'émission ont fait, je vais te dire, parce que je connais ce monde qui a répondu et surtout, et mes deux commentaires sur eux. Sous vle fèl, parce que vous avez le droit tout. Et gagner ou auditeur qui dit, ah, écoutez, maintenant, j'ai l'impression qu'il a été l'avocat de deux présumés assassins libérés, et pour cause, le conseiller juridique du juge d'instruction, il avait annoncé la teneur de l'ordonnance du juge, comme par hasard, ses prédictions ont été retenues à 100%. OK, moi faut bloquer toi tout réagir à tous les deux et puis on a qui dit que il y a une grosse rumeur dans la rue que c'est maintenant Justin et qui écrit ordonnance qui rédige ordonnance. Soit qu'a dit sur ça. Et puis bon. Ma réponse madame Bonhomme. Yes. Oh là, il est méchant. Ordonnance juge là rend 25 janvier. Le 10 décembre, madame Bonhomme, moi qui t'aille. Moi malade, mal aux États-Unis, nous subissons une intervention chirurgicale. Moi entré en Haïti le 18 février. Ordonnance juge la rend le 25 janvier. Et c'est maintenant hier, moi. Il y a deux mois dehors. Et puis c'est mon territoire de réduction ordonnance. Les gens n'acceptent pas la vérité dans ce pays. Les gens n'acceptent pas que le monde capable d'indépendant, qu'on capable de consacrer un magistrat, qu'on a une opinion et qu'on a exprimé. Les gens ne comprennent pas. Je suis une personnalité indépendante. Je suis un monde moi-même. Et c'est le monde qui a dit ça me voulait. Je vis du cabinet magistrat. Je ne vais pas chercher un job dans le même monde. Je ne vais pas chercher. Est-ce que tu comprends? Donc, moi-même, et c'est ça, je ne vais pas faire aller à contre-courant. C'est intellectuel haïtien qui fait ça. En Haïti, on a toujours battu bravo, il a suivi le monde. Côté foule là et aller là, moi-même, je défends la vérité. Donc, je n'étais même pas là au moment que le juge la rende ordonnance. Je fais deux mois d'ailleurs. Ma peine. Deuxième, vraiment, vous n'avez dit que des avocats, les présumés assassins. Voilà un idiot. Quand il accuse un monde, il n'est pas un présumé assassin. Ils sont présumés innocents. Même les gens qui ont jugé là-haut, ils ne sont pas présumés assassins. C'est des présumés innocents. Et qui s'accrive dans la justice là, tout? C'est plus grave qui est grave qui est capable de briser. C'est là qu'on prend un innocent et pour punir lui. Il y a des gens qui m'ont défendu dans le dossier ça. Nous songeons malé dans le DCPJ. Mon client a été auditionné par le FBI. Officier de Benoît, à la fin de l'audition, il dit, monsieur, why you are here? Mais le soir, c'est là. Pourquoi ça a arrivé? Monsieur dit, officier, FBI, il a eu. Monsieur dit, ma vina ici, l'ifin rempli pour servir à l'officier, et puis il a fait commentaire, opinion sur l'arrestation sale. Et puis il dit que, il y a des années, la vina ici, la vina travaille avec des CPJ. Il y a un bagage qui a remarqué en Haïti, il n'y a pas respecté la liberté, il y a arrêté moun avec trop de facilité. Et là, au final, arrêté moun, il y a pris trop de temps pour la justice libérer. Je vous donne l'opinion de l'officier du FBI qui a entendu un bec. On a arrêté. Et le juge l'a admis. Non. On a arrêté mes clients sous des faits qui n'étaient pas
fondé et juge la tribunal la reconnaître et pas fondé. Mais non, je ne pas répondre, même plus répondre. Ouais, parce que là, il y a donc il dit comme ça, comprendre. Mais comme formateur, comme éducateur, c'est répondre tout le monde, ni monde qui est sensé, ni monde qui est insensé, ni monde qui est logique, ni monde qui est logique. Ça, c'est un raisonnement insensé, même le répondre. Donc, on passe à camper pour dire que client maître magistrat, que la justice dit que c'est des innocents, et vous dites vous-même que c'est des prisonniers, des présumés et assassins. Donc, vous êtes un idiot. Bon, nous campons là. Merci infiniment, M. Samuel Magistin, pour la conversation que nous avons. Et nous à bientôt sur Vision 2000. Merci beaucoup. Merci, Mme Bonhomme. Voilà, notre Samuel Magistin est avec nous matin. Notre invité, lycée président du conseil d'administration, Fondation, j'éclairai mon micro à Marie-Lucie Bonhomme, comme d'habitude. Et merci tout le monde pour attention. Merci de rester sur Vision 2000.